الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم التكبير التكبير ثم تكبير صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين merci infiniment à Al-Hussein pour cette lecture salmodiée du noble Coran. Mesdames et messieurs, à présent, chers imams, merci déjà d'avoir répondu à cette invitation. Nous allons, avec la permission bien sûr de la direction, bien sûr du protocole du groupe, la BAM 1781, appeler avec bien sûr diligence le premier groupe qui va passer. Il s'agit donc de nos frères de l'origine Djama qui vont passer maintenant en termes d'oration. Nous aurons donc celui qu'on appelle Ekra Lopez, que j'ai appelé le philosophe bien guidé, et le frère Kofi qui vont tenir donc le crachoir pour justement débuter cette activité. Donc j'appelle ici, avec votre permission, et tout le protocole est demandé, histoire de faire venir nos frères de l'origine Djama pour donc débuter cette conférence. Je rappelle là, avant qu'ils ne prennent bien sûr la possession de ce micro, que nous serons en compagnie du maître Abdul Majid Kassoubia. Il est là ce soir, il va donc échanger avec ses frères de 13 villes, avec bien sûr ses frères de l'Afrique, parce que c'est toute l'Afrique qui nous suit, ainsi que toutes les vidéos du monde sont à l'écoute et au regard de cet endroit, mesdames et messieurs. Ils ont appelé Giga Conférence, maintenant on appelle une conférence grandeur nature, avec bien sûr tous les groupes interreligieux du Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, une fois de plus encore, on va demander au protocole de Nourdine Djama de faire donc diligence pour permettre à Ekra Lopez et à Kofi de venir tenir mon crachoir. Sur ce, s'il y a quelque chose au niveau de la sono éventuellement, non? Bienvenue encore, mesdames et messieurs. Alors, notre rôle, là, c'est de vous entretenir et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de blanc, comme le disent ceux, bien sûr, qui sont des animateurs de radio et de télé. Pour ne pas qu'il y ait de blanc, sachez que nos sœurs musulmanes sont là. Les frères de Dabou se sont déplacés en massive, ils sont déplacés massivement, bien sûr, à la délégation de Dabou qui nous recevait il y a 2 semaines de cela, et qui ont permis donc au maître de pouvoir intervenir et de faire sortir quelques réponses sur lesquelles nous étions un peu dubitatifs. Il nous a donné donc à l'enseignement face bien sûr aux questions qui ont été posées. Alors, ça va le frère? Walaikum salam. Est-ce que donc Ekra Lopez est là? Je vois déjà que la DDR est là avec Oustaz Diallé. Et sans oublier bien sûr Aston Ba, tous ceux que vous connaissez, Kofi, Ismaël Aka, tous les garçons là aujourd'hui pour ensemble donner d'une même voix, faire en sorte que la parole d'Allah soit la plus haute, Inna Kalmatallah et Yal Rulia, n'est-ce pas? Merci de vous installer et de nous permettre, Inch'Allah, de débuter cette activité. Merci, merci. Alors, je vais dire à tous ceux qui demandaient cette conférence, chose promise, chose due, vous avez tous les élèves d'Abdul Majid là-bas, enfin, tous les élèves d'Abdul Majid, n'est-ce pas?
la BAM 1781, la DDR, nous, Ndjama, qui sont là, et ceux donc qui vont se charger de lancer cette machine de l'oration, c'est nous, Ndjama. On va saluer donc Béli Islam, la note explicative, et saluer donc Mouaz Bounjabal, l'accélérateur 7.0. Vous me permettrez, merci à la mémoire centrale d'être juste à côté. Merci à Ismaël Aka d'être là. Merci donc à Ekra Lopez, que j'ai appelé affectueusement le philosophe bien guidé. Merci au frère Kofi, je vais trouver certainement un petit nom qui te va. Merci à Sonba, qui lui j'appelle l'imprévisible dans les débats. Merci, c'est le maître qui m'a porté cette information. Le frère qui est juste à côté, il va me donner son nom, je ne sais pas trop. Le frère Ibrahim, certainement je vais trouver ton petit nom. Mesdames et messieurs, ici et maintenant, j'appelle avec votre permission, avec la Takbira qui est pour Takbira. Souma Takbira. Ici et maintenant, Ekra Lopez et le frère Kofi pour débuter cette conférence. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم Je viens juste à vous prêter un temps soit peu, vous allez me prêter votre crachoir pour annoncer la venue du docteur Abdul Majid. Atakbir, Souma Takbir. Alors le docteur est déjà là, les choses ont bien débuté. Je rappelle que l'imam de Trècheville, l'imam Aaron Kone, est bel et bien là. Je disais tout à l'heure que le PCA, bien sûr, de l'AEMC, le frère Akonji, bien sûr, est parmi nous pour représenter bien sûr l'AMC. Mesdames et messieurs, une fois de plus, vos regards et vos écoutes sont attendus. Yachek, bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Avant d'aller plus loin dans nos propos, nous aimerons humblement nous excuser auprès des uns et des autres pour les fautes que nous pourrons commettre. Parce que ceux qui sont assis en face de nous, il y a des gens qui peuvent nous enseigner 10 fois, 20 fois même. Mais c'est par leur permission que nous sommes ici en train de prendre le micro. Donc nous demandons pardon à nos imams si nous avons des ratés ou des manquements, qu'ils nous pardonnent. Parce que toute œuvre humaine comporte des imperfections. Nous remercions Allah qui nous a donné la vie. Allah qui nous a donné le temps. Allah dont le manteau de la création ne souffre d'aucune imperfection, d'aucune injustice, d'aucune inégalité. Allah qui a créé les cieux et la terre sans pilier physique pour que nous puissions observer. Allah qui a établi les animaux dans des différents endroits pour que nous puissions comprendre en eux ses signes et ses miracles. C'est ainsi qu'Allah a fait. Il y a des animaux qui vivent dans l'eau. Il y a des animaux qui vivent sous la terre. Il y a des animaux qui vivent entre le ciel et la terre. Il y a des animaux qui vivent, si je peux le dire, dans le ciel. Il y a des créatures que nous voyons, que nous ne voyons pas, qui ont la capacité de faire des choses énormes
que l'être humain ne peut s'imaginer. Mais tout cela n'est que par le pouvoir d'Allah. Et Allah a dit d'observer l'être humain, sa constitution, comment il est, pour comprendre qu'au-delà de l'être humain, il y a un être par essence et par excellence qu'il a créé. Et dans nos petites recherches, nous avons essayé d'analyser le cerveau. Et on nous a enseigné ou on nous a dit que le cerveau contient, le cerveau baigne dans un liquide. Et pourquoi ce liquide est dans le cerveau? Comme vous le remarquez, lorsque il y a un ballon solide dans un seau et qui flotte dans le seau, quand vous secouez le seau, vous allez remarquer que la balle va taper les côtés du seau plus rapidement. Mais quand le ballon est dans de l'eau et que vous essayez de secouer le seau, vous voyez que la balle fait des mouvements. C'est un peu plus difficile à la balle d'aller taper les parois du seau. C'est ainsi que le liquide qui est dans le cerveau de l'être humain a été disposé. Allah a mis ce liquide dans notre tête pour que lorsque nous sommes soit dans un véhicule ou soit nous faisons des chocs un peu plus violents, le cerveau ne puisse pas aller frapper les parois du crâne pour avoir des lésions. Donc le liquide permet au cerveau de pouvoir en chose être en sécurité. Mais tout ça, c'est l'œuvre d'Allah. Allah a permis de montrer à l'être humain que c'est lui qui est le plus grand, c'est lui qui est le plus fort. Regardez le petit morceau de cœur qui est en nous. Si nous ouvrons ce cœur tout à l'heure, on ne verra pas où se trouve la joie. On ne verra pas où se trouve la colère. On ne verra pas où se trouve l'angoisse. On ne verra pas où se trouve la peur. Mais dans ce petit morceau-là est regroupé tous ces sentiments. Tout ça, c'est l'œuvre d'Allah. Et Allah, par-dessus tout, si tout à l'heure on opère le ventre de chacun d'entre nous, on ne verra pas au sein de notre ventre l'endroit où les paroles arrivent. On va voir tout, on va voir de l'intestin et tout ce qui y va avec. Mais on ne va pas voir l'endroit où les paroles sortent. Mais actuellement, vous m'entendez, vous voyez des mots qui sont parfaitement constitués. Mais ces mots-là, est-ce qu'ils sont disposés quelque part dans le ventre pour sortir? Cela sont des signes pour des gens qui ont la capacité. Cela sont des signes pour des gens qui ont la capacité de comprendre la grandeur de leur Seigneur. Et Allah a permis toutes ces œuvres pour que l'homme puisse observer qu'il y a un créateur au-dessus de toutes choses. Et j'aime donner cet exemple. Tout à l'heure, on recrute tous ceux qui sont ici. On nous ramasse tous. On dit, bon, les frères, allons-y aujourd'hui. Soit je prends l'exemple un peu banal. Allons-y à la plage. Et arrivé à la plage, nous voyons au bord de la plage un cœur qui a été dessiné. Ou bien soit peut-être ils ont dessiné des fleurs. Mais qui parmi nous pourrait s'imaginer à l'instant T que ce sont les vagues de la mer qui ont dessiné ce cœur ou bien ces fleurs? Personne ne le fera. Immédiatement, la conscience nous pousse à juger qu'il y a eu la présence de quelqu'un pour dessiner ce cœur. Il y a eu la présence de quelqu'un pour pouvoir savoir qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et notre exemple un peu vulgaire et banal, mais vous allez comprendre dedans. Le plus souvent, on est à la maison, nous dormons les nuits. Et peut-être les toilettes que nous partageons, soit l'un de nous aller uriner sans peut-être mettre de l'eau, ou bien l'autre aller faire ses besoins sans mettre de l'eau. Et puis papa se réveille, et puis il décide d'aller uriner. Et puis il constate qu'il y a des quoi? Il y a des déchets dans les toilettes. Quelle sera la réaction du père? Est-ce que le père dira que ces déchets se sont déplacés seuls pour être là? Immédiatement, la première réaction qui anime papa net, il va commencer à crier, oh, vous là, qui a fait ses besoins ici? Mais est-ce que papa était là lorsqu'on faisait les besoins? Mais ça, c'est du quoi? Le fait que Dieu a mis en nous son existence même, nous pousse à dire qu'il y a eu la présence de quelqu'un, sinon les déchets ne peuvent pas se déplacer seuls pour être dans les toilettes. Pareil même que nous arrivons dans une salle et que nous trouvons les mégots de cigarettes.
personne ne pourra croire que la cigarette est quittée dans une usine pour venir se poser là. Immédiatement, on dira que c'est des gens qui ont fumé, alors que nous n'étions pas là. Maintenant, comment comprendre avec le ciel, les étoiles, le soleil, les arbres et tout ce que nous sommes venus trouver, et l'air en abondance, nous pouvons dire que ça vient du vide et du néant? Cette question pousse ceux qui sont ignorants ou bien ceux qui ne veulent pas croire à dire que ça vient du vide. Parce qu'eux-mêmes, ils n'acceptent pas la logique de quelque chose qui peut être dans un endroit sans qu'il y ait la présence de quelqu'un. Et tout cela a mis ses œuvres, ses créations pour nous faire comprendre sa grandeur. Et j'aimerais rappeler aux uns aux autres ici. Je suis le frère Écra Lopez, ex-chrétien. Vous savez pourquoi nous précisons ça? Moi et mon frère ici, nous n'avons pas besoin de ça. Particulièrement parce que la foi islamique nous pousse d'abord à traverser l'unicité d'Allah. Pas de venir prêcher que nous avons vu telle chose ou soit lorsqu'on était l'autre côté, on ne gagnait rien, on souffrait, on ne mangeait pas. Non, 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 non. C'est pas ça. Et lorsque je suis venu à l'islam, je vis bien, je mange bien, je dors bien. C'est triste de voir des gens se faire berner par ça. C'est triste de voir des gens lier la foi à une guérison, de lier une religion à la santé. La santé n'a rien à voir avec la religion. Sinon, si la santé était du côté des musulmans, on ne verrait jamais aucun musulman à l'hôpital. Si la santé était du côté des non-musulmans, on ne verrait aucun non-musulman à l'hôpital. Mais la santé, c'est quelque chose que Dieu a mis ça entre les humains comme ça. Et chaque maladie a sa période de guérison. Mais malheur est pour toi, si cette maladie tombe, ou bien sa guérison arrive au moment où tu trouves des gens qui ne partagent pas ta foi et qui viennent faire une prière pour toi. Dès qu'ils feront la prière et que ça tombe sur le décret de la guérison, quand cette coïncidence arrive, immédiatement tu dis, oh, déjà c'est ce jeu-là qu'il y a miracle. C'est ce jeu-là qu'il y a guérison. Alors que c'est faux. C'est parce que la maladie, toute maladie que Allah subhanahu wa ta'ala a créée, à un moment où il finit. Mais les gens ne comprennent pas. Pour une famille, comme je l'ai dit, c'est Écrasé Lopez. Est chrétien, appartenant au groupe de prédication islamique Moudin Jama, dont tous les membres, la grande majorité des membres sont composés des Baoulés, des Bété, des Atiers, des Gouros. Nous sommes pratiquement issus de familles Akan. C'est pour cela que nous, ça nous fait mal lorsque nous verrons, nous voyons nos parents qui sont encore de l'autre côté et qui n'ont pas encore compris le message de l'islam, qui n'ont pas encore compris pourquoi l'islam est là. Parce que dans notre foi en tant que musulman, l'islam vient sur plusieurs droits. Le droit d'Allah, le droit de l'humain, passant d'abord par le droit de l'homme, passant par le droit de la femme, le droit des animaux, le droit de la nature, le droit de la vie en société. Tout cela est régi dans notre religion, avec ses limites. On ne vient pas pratiquer l'islam dans le désordre. Notre religion n'est pas basée sur le fait qu'on vient faire ce qu'on veut, mais on vient faire ce qu'Allah veut. C'est pour ça que le premier point central, dès que tu te convertis, ce qu'on met dans ton cœur, on insuffle dans ta conscience et dans ton âme, c'est l'unicité d'Allah. Pas plus, pas moins. Avant de commencer à instaurer d'autres choses dans ton cœur. Mais aujourd'hui, dès qu'on enseigne l'unicité, d'autres voulaient nous faire régresser, en nous invitant à bafouer cette unicité. Mais nous disons, aucun prophète depuis l'aube des temps. Qu'est-ce qu'il y a 10 minutes déjà? Ah! Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Covid. Bon, next and next show. Voilà. Ouais, 1 minute, c'est là. Oh. Mais chez Écrasé Lopez. A qui est blé, mais Moussa ou Promoun et Sema. A qui est sauvé, Moussa ou Promoun et Sema. Baoulé sauvé, Moussa ou Promoun et Sema. Gouro sauvé, Moussa ou Promoun et Sema. Nama, après ça, mais ben, j'en pas. Islam, elle est comme au pain.
Il est arabe, ben, ça papa tout ça, ben, ma. Chaque fois, moi, je dis, on ne peut pas baser le père. On ne peut pas baser le père. Alors que, mon langue, il ne peut pas baser le père. Donc, on est un nez chaud à tirer son pas. Mon sang, mon bon. Mon question, qu'est-ce que mon léger a prêté? Nama, on pose une question qui est à calaze mon mouté. Donc, maintenant, chose, un ennemi causé, mais quoi? Au calaze mon mouté. Donc, au vie. Bissimla. Ok, merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Alhamdulillah, comme mon frère ici, bien aimé, bien aimé, souligné, par rapport à votre religion. Moi, il me plaît, c'est mon fils Ibrahim. Parce que faute vraiment véridique. Oui. D'ailleurs, chez moi, encore les vacances, les musulmans, tout bâtiment, c'est là. C'est clair. Donc, souvent, pour la question, non musulmans, les Mauritaniens sont quoi? Question. Donc, moi, je suis à Ni. C'est-à-dire, après, bon, Mbato, c'est chez moi ça. Je ne suis pas un Konaté. Chez moi, il y a catholique, il y a les protestants, il y a les évangélistes. Et je viens de là. Mais ce soir, on n'a pas de faire des moyens mensongères. Non, Dieu m'a dit, c'est-à-dire que non, on n'est pas là pour ça. Déjà, pour vous intégrer mes parents, pour vous dire l'islam est votre religion, est notre religion. Être un musulman, c'est une grâce. Être un musulman, c'est un honneur. Être un musulman, c'est quelque chose qu'on peut non, on peut pas décrire. Claire. Parce que tu as la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. C'est clair. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont un peu allergiques à faire le nom Allah. Par exemple, chez nous, les amis, pour la compréhension de tous, comme on appelle le créateur, c'est Nyamia. Claire. Mais depuis quand Dieu a dit un ami qui s'appelle Namia? Question. Qui peut dire, moi Dieu m'a donné rendez-vous à Bongo, soit Koto, soit Ara. Lui il dit, je m'appelle Namia. Il n'a jamais dit cela. Mais pourquoi nous, comme on a su que Dieu s'appelle Namia, j'ai un nom local. Maintenant autant pour moi. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est inné. Dans chaque langue, Dieu a un nom particulier. Donc Allah est son vrai nom. On peut avoir les attributs qu'on soit autre. Donc celui qui nous a créé, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Claire. Donc au lieu de penser Allah n'y a pas, et là Dieu aussi n'y a pas. Il n'y a pas de problème. Donc c'est comme s'il y a deux Satans. Il y a Satan des musulmans. Il y a Satan des non-musulmans, vrai ou faux? Est-ce qu'il y a plus de Satan? Il n'y a pas deux Satans. Il y a un seul Satan pour toutes les créatures. C'est clair. Mais comment c'est fait de nous créer des sur la terre? On arrive à nous partager comme gâteau d'anniversaire. Chacun a son Dieu. L'amour aussi. Là aussi, elle peut pas. Il y a un problème sur ça. Donc, si j'ai qu'à sonner la mort. Question. Par exemple, qui fait la lecture? Les frères qui font la lecture, ils mettent deux passages pour aller rapidement. Allah dans la soie, le 29, verset 62. Coran chapitre 29, verset 62. Et on prend la soie 28, verset 92. Allah se présente. Parce que nous n'avions pas du tout problème avec Allah. On dit toujours non, par non, musulmans, mes parents, bien sûr. Non, blague tout mon petit Akachi. Kofi a un bangba fort. Aïe, on l'a sacati trois siens. Ah bon? La lettre, frère. S'il vous plaît. Micro. Tu peux m'aider aussi, madame. C'est ouais. Si possible. Tant qu'il passe vite, vite, envoyez. Coran chapitre 22, verset 62. Coran chapitre 22. Non, 29 verset 62. 29 verset 62. C'est pas la sourate qui a été prise. Donc, comme je le disais tantôt, Allah subhanahu wa ta'ala se présente en tant que le créateur de toutes choses. Et celui qui n'est pas encore musulman, on ne peut pas le condamner. Parce qu'il ne sait pas que Allah est son Dieu. Mais si on leur demande aujourd'hui, qui a fait les cieux la terre, on dit quoi? Vas-y, frère. Sourate 29 verset 62. Allah dispense largement ou restreint ses dons à qui il veut parmi ses serviteurs. Vas-y. Certes, Allah est omniscient. Oui. Si tu leur demandes, qui a fait du ciel une eau avec laquelle il fit revivre la terre après sa mort, ils diront certainement. C'est qui? Allah. Muhammad. Allah. Jean-Baptiste. Allah. Salomon. Allah. Samson. Allah. Aboubak. Allah. Mais Allah. Vas-y frère. Dis, louange Allah. Oui. La plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Donc aujourd'hui les gens pensent qu'on vient, on leur dit devenir musulman, c'est une condamnation, non, c'est un rappel. Toi prends sur la 14, faut les autres passer. Prends sur la 14, verset 52. Sur la 14, verset 52.
Coran chapitre 14, 52. Oui, frère. Ceci est un message, le Coran. Pourquoi? Pour les gens. Pour qui? Pour les gens. Pour les gens. Pas pour les musulmans, mais pour les gens. Vas-y, frère. Afin qu'ils soient avertis. Donc, on est là pour vous interpeller. Vas-y, frère. Qu'ils sachent, oui, qu'il n'est qu'un Dieu. Oui. Et pour que les doués d'intelligence s'exaltent. Donc, c'est clair. Donc, Allah est notre Seigneur. Sourate Al-Biya, Coran chapitre 21, à partir du verset 25. Tous les prophètes de Dieu, c'est Allah. Donc, on vous aime, chers parents. Si elle est mes parents, elle est ici. Abou Yaki, y'a bien qu'on m'a dit. M'y'a un robot, m'y'a ça. M'y'a un moment, l'islam est grand monde. On a grand monde. Bon, on nous dit l'islam, c'est pour les grands. Donc, moi, c'est quoi, y'a. Donc, viens de Bundi Ali. Donc, l'islam, c'est pour les grands. Bon, par exemple, moi, je suis un est-ce que je suis un ami? Là, là, tu fais. Et nous n'avons envoyé avant toi. Avant toi. Aucun messager. Dans tous les prophètes que tu as envoyé par Muhammad là. Oui, à qui? À qui? Nous ayons révélé. Le message qu'ils ont reçu là, oui. Point de divinité. Il dit, je suis votre quoi, frère? En dehors de moi. Adorez-moi donc. On doit faire quoi donc? Adorez-moi donc. Quand le Créateur se présente à travers ses prophètes, il dit, je suis votre Dieu, adorez-moi donc. Vas-y, frère. Et il dit, le tout miséricordieux s'est donné un enfant. Merci. Donc c'est clair, Allah s'est prêt à ses prophètes. Que c'est moi, je suis votre Dieu. 91, dans la même sourate. Oui, c'est prêt, je suis votre Dieu, adorez-moi là. Donc tous mes parents parlaient Aïe, n'est pas de l'islam, l'islam c'est votre religion. Lorsque tu vas attester, la ilaha illallah, c'est Yassa en Baoulé. Il lui l'a dit ici parce que quoi, t'as dit, ils appellent Dieu en entier. Même lorsqu'on fait appel à la mosquée, à Zan. Là, il a haïla là, en langue, il a mis un autre. Ça veut dire que Dieu, il est unique, il est seul. Il a mis un autre combat, qu'est-ce qu'on l'a pas? Là, il a haïla là, en langue, il a mis un autre combat. Là, il a autre combat. Si Dieu, par exemple, on dit qu'il n'est pas unique, c'est qu'il n'est plus Dieu. Ok, il n'y a pas de problème. Vas-y, c'est cette communauté. Là, c'est sur le 21, à partir de 91 à 92. Vas-y, frère. Cette communauté. Oui. Qui est la vôtre. Oui, frère. Est une communauté unie. Pourquoi? Et je suis votre Seigneur. Et je suis votre Seigneur. Je suis votre Seigneur. Donc, Allah dit à ses prophètes, je suis votre Seigneur, c'est moi, je mérite l'adoration. Vas-y. Adorez-moi donc. Allah m'a fait quoi? Adorez-moi donc. Merci, frère. Pas ma sourate de verset 21. Coran chapitre verset 21. Dans Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Dans toute personne qui va accepter l'islam, tu ne perds pas ta foi à Abraham. Moi comme Moïse. Parce que tu veux, ça dit, respecter la chaîne prophétique du premier au dernier. Parce que Muhammad alayhi salam, il colle la prophétie de Dieu. Là, oh homme. Oh vous les humains. Adorez votre Seigneur. Stop. Quand on dit homme là, en parlant, on dit oh sramu. Oh sramu anani. Donc nous les humains. Non, Seigneur nous parle, vas-y. Oh, homme. Oh, vous les humains. Adorez votre Seigneur. On doit adorer qui? Adorez votre Seigneur. Qui a fait quoi? Qui vous a créé. Donc, c'est Allah qui nous a créé. Pourquoi? Allah nous a créé pourquoi? Question, hein. Sur la secrétaire, c'est que Allah dit quoi? Je n'ai créé l'être, mais que nous sommes rien que pour l'adorer. Et le message fondamental, Dieu a révélé à tous les prophètes avant Muhammad. Le verset chapitre 11, rapidement, frère. Le verset 11, verset 44, et puis Nob 15, verset 41. Merci. Le verset 11, 44, frère. Ok. On a compris, c'est à côté, hein. Ça reste au grain, quoi, ça se fait. Lévitique 11, 44. Oui, frère. Car je suis l'éternel, votre Dieu. Je suis l'éternel, votre Dieu. Quand il se prend son prophète Moïse, allez, c'est ce qu'on appelle Moïse. Vas-y. Vous sanctifierez. Mais si, ça va, il a dit encore. Nombre 15, puis je m'arrête là. Nombre 15, 41. Dans tous les prophètes, Dieu s'est présenté à travers ses prophètes. Il a dit à ses prophètes, je suis votre Dieu, c'est moi, je mérite l'adoration. Et aussi, à l'air tout, ils vont enseigner à leur peuple respectif. Nombre 15 et 41. Et Dieu qui nous a créé n'est pas beaucoup. Un Dieu qui ne dit pas qu'il est Dieu là. Il est de passage. C'est un Dieu étranger. C'est pas notre Dieu. Vas-y un peu, frère. Je suis l'éternel. Je suis l'éternel. Votre Dieu. Votre quoi? Votre Dieu. Votre quoi? Votre Dieu. Donc Dieu dit à ses prophètes, je suis votre Seigneur. C'est ça Dieu parle. Mais un Dieu qui dit pas je suis Dieu là, c'est un Dieu bobo. Dans la famille, c'est un peu ça. Inch'Allah ta'ala, on nous tient que vraiment le temps de Allah m'a dit maintenant. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci infiniment au groupe Nouridine Jama.
et à Kofi, bien sûr, de nous avoir donné cette nourriture spirituelle-là. Mesdames et messieurs, chers imams, bienvenue une fois de plus encore à la conférence, bien sûr, à des élèves d'Abdul Majid, et je dirais les élèves au grand complet d'Abdul Majid qui sont ici, qui vont donner d'une même voix, bien sûr, à cette conférence. Je rappelle à toutes les utiles que nous avons nos imams qui sont là, imam Harun Kone, bien sûr, qui est donc le président du COSIM section 13. Et l'imam du CHU de Prêcheville. Merci, cher imam, d'être là, ainsi que les autres imams éventuellement que je n'ai pas pu citer. Je vais revenir sur l'information. Vous me permettrez à présent d'appeler un groupe qui n'est plus à présenter, mesdames et messieurs. Il va s'agir pour moi, une fois de plus encore, d'appeler. Oui, et je l'avais dit tout à l'heure, le président du COSIM, section 13 ville, l'imam Harun Kone. Merci, imam, de nous ramener cette récompense. Mesdames et messieurs, j'ai appelé ici maintenant Oustad Yanné, Ismaël Aka, de la DBA. Merci de les recevoir avec un vivant. C'est à Tadbira, Souma Tadbira. Ouais, c'est pas accroché. C'est bon? C'est Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa ala jami'i anbiya'i wal mursalin, wa man tabi'ahum li thani ila yawm al-din. Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak, la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal 'alimul hakim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, nous saluons nos imams, tous nos imams sans exception. Nous saluons également tous ces jeunes et nos frères et sœurs qui ont fait le déplacement pour venir honorer, n'est-ce pas, la présence de notre docteur Inch'Allah. Et aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Comme le prophète sallam le dit, nous, l'ensemble des messagers, nous avons un seul père, mais des mères différentes. Je dis ça du docteur, il a l'habitude de le dire dans beaucoup de ses conférences. Non. Et moi, je dirais également, nous, l'ensemble des jeunes prédicateurs de l'interreligieux, nous avons un seul père, le docteur Abdul Majid, mais des mères différentes, c'est-à-dire des différents groupes. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et le but de tout ça, c'est la propagation du message de l'islam. On se retrouve ici aujourd'hui auprès de notre père inspirateur, c'est un honneur pour nous. Non. Je me rappelle, avant 2000, voilà, mon voisin m'appelle, il me présente un CD. Non. Je prends le CD, je regarde. Je vois un oustaz qui est en train de prêcher. En ce moment, moi, je ne connais ni interreligieux. Peut-être la da'wa que nos imams ont l'habitude de faire, le rappel et tout ça. Non. Et je regarde la vidéo, automatiquement, je suis séduit. J'ai dit, mais la vidéo, disons, le CD là, tu l'as eu où? Et il dit, non, je l'ai acheté à la Cypresse. Donc moi, je me rends à la Cypresse. J'achète le même CD, j'ai acheté 5. Donc, pour pouvoir voir, n'est-ce pas, tous les débats que le docteur a dû, n'est-ce pas, faire avec, n'est-ce pas, les pasteurs. Exactement. Au Congo. Non. Et arrivé à la maison, je regarde les vidéos, je regarde au fur et à mesure, voilà où l'amour, n'est-ce pas, de l'interreligieux est parti pour moi, Inch'Allah. Alhamdulillah. Et par la suite, Allah a facilité un jour un jeune frère du nom d'Ashraf Ibrahim, je ne sais pas s'il est là, il nous retrouve au jardin, Béni, moi, Kader, tout le monde. Il dit, mais est-ce que vous savez que le docteur Abdul Majid regarde votre vidéo et il vous passe son salam? Ce jour-là, il n'est pas dormi. Abdul Majid nous regarde, oui, il nous salue, oui. Mais comment on peut faire pour le voir? Il dit, non, j'ai son contact, non, et je vais vous mettre en contact, Inch'Allah. Allah facilite, il nous met en contact avec le docteur. Le docteur accepte de nous recevoir au téléphone. Il était 21h à Abidjan. Parler avec le docteur au téléphone pendant au moins 2 heures du temps, béni et moi, et c'était le plus beau jour de ma vie personnellement. Alhamdulillah. Et par la suite, Allah facilite qu'on se retrouve également au Mali.
On a été invité au Mali pour aller faire une conférence. Non. Et ça a coïncidé avec l'arrivée du docteur au Mali également. C'était la première fois en tout cas que moi, Ismaël et notre équipe, on le croise physiquement pour parler avec lui. Non. Et en montant l'escalier, moi je disais comme ça, il y a des personnes qui rêvent de voir Cristiano Ronaldo, Babylone, hein? Il y a des personnes qui rêvent de voir Messi. Il y a des personnes qui voudraient de voir Alpha Blondie. Nous, notre rêve là, c'est de rencontrer le docteur Aboumadi et de le saluer. Et non. Allah a réalisé nos rêves ce jour-là. Nous étions assis au salon pour nous déballer et tout. Moi je le regardais en fait. Parce que souvent, tu ne vois pas si c'est lui quoi en fait. Exactement. Donc je regarde, et lui, il prend de l'eau, il nous distribue et tout. Non. On est assis là, on pose comme des amis, et il commence à donner des arguments. Quand il parle, tu n'as même pas envie qu'il s'arrête. Donc, en d'autres termes, il nous donne l'amour de la chose également. Non. Et il nous donne des conseils. L'un des conseils que je retiens, il dit, ne vous prononcez jamais si des choses dont vous n'avez pas la connaissance. Exactement. Ne vous prononcez pas sur ça. Et n'ayez pas honte de dire quand une question vous est posée que je ne connais pas. Non. Et ensuite, vous avez l'habitude de dire, ça c'est pas mon domaine, ça c'est pas mon domaine, c'est le domaine des imams. Continuez comme ça. Non. Donc ces gens le conseillent par notre maître, notre inspirateur, ça nous galvanise en fait. Non. Et moi ce jour-là, je suis là, je ne savais pas quel cadeau lui faire. Je lui dis, mais docteur, ma femme est enceinte. À l'instant même là, à l'instant, j'ai pris la décision, si ma femme accouche là, l'enfant va porter ton nom. Et Allah a fait, l'enfant est né, il s'appelle aujourd'hui Diané Abdul Majid. Takbir. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, c'est un hommage qu'on lui rend, non. Parce qu'il faut rendre hommage à une personne quand elle est encore vivante. Exactement. Voilà, parce que après, c'est vrai, tout le monde partira un jour. Mais au moins, nous devons reconnaître, comme lui-même, il a l'habitude de le dire, celui qui n'est pas reconnaissant envers les hommes ne peut pas être reconnaissant envers Dieu. Exactement. Donc, on n'a pas assez de temps. Vraiment, nous disons merci beaucoup au docteur. Il nous a inspiré dans beaucoup de choses. Et beaucoup de personnes se réclament de nous. Non. Mais nous, on se réclame de lui. Exactement. Et nous allons rester ses élèves jusqu'à la fin de notre jour. Inch'Allah. Et il y a des gens qui essaient de dire, mais attends, mais vous avez donné des arguments, mais est-ce que vous savez que oui, docteur Aboumadi avait déjà donné ça? Il dit, mais c'est sûr que nous on a copié. C'est sûr que nous on a copié. Et le docteur a eu l'humilité de nous dire, est-ce que vous savez qu'il y a des questions que vous avez été posées, qui ne m'ont jamais été posées? Et les réponses que vous avez données, ça m'a donné aussi une idée sur moi, ma connaissance. Donc nous devons vraiment prendre l'exemple sur lui et puis faire beaucoup de doigts pour lui, car on donne encore plus l'élévation et longue vie et la santé également, qu'on puisse se retrouver, Inch'Allah, au Jan Tofilraus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est pas fini d'être. C'est Aga qui prend maintenant. Oui, c'est moi qui prend. C'est juste pour dire à l'auditoire et à tous et à toutes que notre imam Haroun Kone, qui est bien sûr le président du COSIM section Trècheville, par ailleurs l'imam bien sûr de CHU de Trècheville, va donc demander la permission à l'auditoire et la tenue à venir, bien qu'il ne se sente pas bien, et la tenue à venir parce que c'est Abdul Majid, notre docteur, bien sûr, qui a fait office d'invitation. Mesdames et messieurs, je vais demander votre bénédiction et vos prières pour notre imam, de sorte qu'elle puisse lui donner une santé de fer. Imam, shukran lakum jazilan wa jazakum Allahu khairan. Alors Ismaël Aga, je pense que c'est à ton tour. Bien sûr. Alhamdulillah. Allons-y. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, salatu wa salam ala Rasulillah. Alhamdulillah, nous remercions nos différents imams, nos autorités, non, ainsi que tous nos frères musulmans qui ont fait le déplacement. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous accorde le mérite de chaque pas que vous avez posé, amen, jusqu'à arriver ici. Et que votre retour aussi soit dans sa puissance, dans sa protection. Alhamdulillah. Pour moi, c'est un grand soir parce que ça fait partie d'un enseignement coranique. Remercier, être reconnaissant vis-à-vis de quelqu'un. Non. Et aujourd'hui, nous sommes tous réunis ici pour rendre hommage ou encore pour être reconnaissant vis-à-vis de notre mentor, de celui-ci qui nous avons copié, ou même de celui-ci qui nous avons prêté et nous avons regardé, nous avons voulu refléter l'image. Non. Donc c'est un grand honneur pour nous. Et Alhamdulillah, la reconnaissance est l'une des choses que le musulman doit avoir en islam.
un homme qui n'est pas reconnaissant, oui, un musulman qui n'est pas reconnaissant, attends, fait à moitié le shirk. Parce que ne pas être reconnaissant vis-à-vis des hommes, ce n'est pas être reconnaissant vis-à-vis d'Allah. Or, Allah qui est le créateur des cieux et de la terre, non, va nous dire quelque chose dans la sourate 13 à partir du verset 32 et suite. Donc pour nous, se déplacer ici et s'arrêter ici et parler au nom d'Allah, aujourd'hui, si on a cette capacité, cette force, c'est parce qu'on a regardé quelqu'un faire et on a décidé de faire comme lui. Exactement. Et nous demandons à Allah de lui donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de jours ici. Amen. Amen. Et qu'il soit toujours là pour nous et qu'il soit toujours un miroir pour nous. Amen. Donc nous sommes, nous, la DDR, nous sommes reconnaissants. Non seulement vis-à-vis de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait de nous des musulmans. Comme mes frères qui ont passé disaient, être musulman c'est un cadeau. Non. C'est un cadeau que tout le monde n'aura pas. Et c'est un cadeau aussi qui va échapper dans la main de beaucoup qui avaient déjà eu ce cadeau. C'est clair. Pour nous autres qui n'étions pas nés musulmans, pour nous autres qui n'étions pas musulmans, nous qui étions chrétiens auparavant, et on a décidé de devenir musulmans par la grâce d'Allah, non, nous seuls on connaît le goût qui est dedans. C'est-à-dire, non, avant on dansait, maintenant on se prosterne. On connaît le goût entre les deux. Clair. Déjà, on a vu que danser, ce n'est pas chic. Or, se prosterner devant son créateur, s'humilier, lorsque tu reviens de ta prosternation, tu ressens un esprit de grandeur, une paix intérieure en fond de toi, non, qui fait que tu as toujours envie de te prosterner. Si tu pouvais marcher prosterner, tu allais le faire. Exactement. Nous, on a compris. Nous, on connaît le goût. Nous, on connaît l'importance de l'islam. On connaît la grâce qu'il y a dans l'islam. On sait c'est quoi l'islam. Nous, au moins, on a été dedans par choix, par conviction. C'est-à-dire, on a goûté aux deux. On a la capacité de dire, ça là, c'est doux, ça là, c'est pas doux. Donc, avant de dire qu'une chose n'est pas doux, faut au moins goûter la chose. Exact. Et nous, par la grâce d'Allah, Allah a permis qu'on goûte au nord et on est venu goûter au sud. Alhamdulillah. On est goûté au sud, on ne retourne plus au nord. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Amin. Donc, nous remercions Allah pour ça, de nous avoir fait musulmans déjà. Et en plus de cela, il fait que de cette belle communauté-là surgit quelqu'un. Moi, ça a commencé en 2017, parce que non, je me suis converti en 2016. En 2017, je faisais mes recherches, peut-être dans mes recherches, et c'est là que je suis tombé un jour sur une vidéo sur YouTube. Et j'ai regardé toutes les vidéos du docteur Abdul Majid. Toutes les vidéos. Et ça a encore donné un poids à ma foi, à mon choix que j'avais fait. Ça a revivifié ma foi. Tellement que j'avais fini de regarder toutes ces vidéos, et je sais que tous ceux qui ont fait la même expérience vont dire que ce qu'il dit est vrai. Effectivement. Quand tu finis de regarder toutes les vidéos du docteur Abdul Majid sur YouTube, à un moment donné, tu cherches, il n'y en a plus. Mais il y a un petit indice qui te dit en bas, les élèves d'Abdul Majid. Nam. Ça, c'est le Guassou. C'est là que moi, je vais tomber sur l'une de leurs vidéos. Et puis, elle dit, ah! Donc, si le docteur Abdul Majid qui est au Congo, qui fait au moins l'honneur de l'islam, la fierté de l'islam, la fierté des musulmans, s'il y a, on va dire, il y a sa photocopie à Abidjan, alhamdoulilah, comme moi, j'avais l'envie, j'avais cet amour-là de transmettre, cette envie-là de retransmettre aux autres qui ne connaissent pas l'islam, du goût que moi j'ai eu dans l'islam. Non. C'est là que je vais approcher pour la première fois Oustaz Diané et Béni Islam qui est en train de prêcher au jardin du plateau. Pour ceux qui ne savent pas, allez-y regarder une de nos vidéos en 2017. La première fois où j'ai pris le micro pour parler devant les gens, c'était pour faire une lecture. Hey. On m'a donné le micro, on dit qu'il faut lire sourate 2. Il n'est pas dit la suite. Ce qui s'est passé. Sera 283. Vous croyez. Vive par le vent. C'est bon, ok. Comme il soit devant eux. C'est pas problème. On me respecte, ils me descendent. Donc, allez-y, regardez la suite. C'est la première fois, par la grâce d'Allah, que de par eux aussi, moi, je puisse dire un mot. Le premier verset du Coran que j'ai cité publiquement, c'était la sourate 2, verset 183. Grâce à qui? Grâce aussi à deux personnes que moi, personnellement, j'ai décidé de rendre hommage ce soir. Nam. Je décide aussi de remercier ce soir. Parce que si aujourd'hui, il y a Ismaël Aka,
Si aujourd'hui les gens regardent Ismaël Aka et puis sont contents, c'est parce que Ismaël Aka aussi a commencé quelque part. Claire. Non seulement il a regardé Abdulmadid, mais aussi il a regardé les branches d'Abdulmadid qui sont qui Oustaz Yane et Beni Islam. Nam. Ceux-là, pour la première fois en Côte d'Ivoire, qui ont décidé de défendre l'islam, peu importe les moyens, peu importe les difficultés qu'ils vont rencontrer. Et moi aussi, je suis reconnaissant vis-à-vis d'eux. Parce que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, je peux m'arrêter sur ce podium-là et regarder une foule et dire « Là, il a Allah, Muhammad Rasulullah. » Donc, cher maître béni, non. Allah vous récompense. Amin. Vas-y frère. Lorsque votre Seigneur proclama. Oui. Si vous êtes reconnaissant. Si vous êtes reconnaissant. Très certainement. J'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mashallah. Mais. Oui. Si vous êtes ingrat. Vas-y frère. Mon châtiment sera terrible. Sourate 13, verset 32 et suite. Sourate 13. C'est très important d'être reconnaissant. Non. Et il n'y a pas plus meilleur que ça. Et aujourd'hui, moi je suis content parce que eux-mêmes ils savent qu'au fond d'eux là, ils ont formé un enfant là. Il est têtu dans la vérité. Claire. Vas-y frère. On s'est certainement moqué des messagers avant toi. Oui. Alors, j'ai donné un répit aux mécréants. Non. Ensuite. Non, pardon, surat 14, 32, s'il te plaît. Excusez-moi pour l'erreur de frappe. Surat 14, 32. Ibrahim. Surat 14. Oui. Le verset 32. Vas-y frère. Allah. Oui. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est Allah qui a créé les cieux et la terre. Déjà, il commence le verset en disant, en s'imposant, pour que tu saches que si tu es sur la terre, d'après mon frère Kofi, si tu dis que ce n'était pas Allah qui a créé la terre et les cieux, non. Mon frère, il faut quitter sur sa terre. C'est lui qui a créé les cieux. Vas-y frère. Et qui du ciel. A fait descendre l'eau. Il a fait. Regardez, il cite les éléments qu'il a accordés à sa créature. Vas-y frère. Grâce à laquelle oui. Il a produit des fruits pour vous nourrir. Continue la lecture. Il a soumis à votre service à des vaisseaux qui. Allah a soumis à votre disposition à ces vaisseaux qui. Vas-y. Par son ordre. Vendre sur la mer. Ici, encore les bienfaits qu'il a fait pour nous. Continue la lecture. Il a soumis à votre service à les rivières. Et il a soumis encore à nous-mêmes notre service les rivières. C'est-à-dire, quelqu'un qui va adorer les rivières, toi, tiens infiltré. Et pour vous. Parce que Dieu t'a soumis il t'a donné la rivière comme soumission. Il t'a donné à toi la rivière. C'est toi qui dois utiliser la rivière. Comment se fait-il que toi, à qui Dieu a soumis la rivière, tu t'en vas te prosterner devant la rivière, mais tu t'en vas être encore le sujet de la rivière. Question. Pitié pour vous les Kémites. Vas-y frère. Et pour vous. Là, si je dis le soleil et la lune. C'est lui qui va adorer soleil et lune. C'est qu'il a lui-même il a quitté son fauteuil présidentiel. Et puis il allait adorer, il allait mettre quelqu'un d'autre à sa place. Dieu dit, le soleil là c'est pour toi, la lune là c'est pour toi. Non. Donc tu ne peux jamais aller adorer le soleil, tu ne dois jamais adorer la lune. Donc nous les musulmans n'adorons pas la lune, oh. S'il vous plaît. Vas-y frère. Il vous a sujeté la nuit et le jour. La nuit aussi et le jour est pour nous, vas-y. Il vous a accordé tout ce que vous lui avez demandé. Allah il dit, non. Il nous a tout donné. Ce qu'on a demandé là, il a donné. Maintenant, regardez la suite du verset. Et si vous comptez les bienfaits d'Allah. Si vous voulez, si on veut compter ce que Dieu a fait pour nous. Non. Si on veut compter les bienfaits d'Allah pour nous, là, oui. Vous ne sauriez les dénombrer. On ne peut pas compter, on ne peut pas les dénombrer. La preuve. Tout à l'heure, moi, en venant, j'ai payé 7000 francs et manger. Mais 7000 francs, là, il y avait riz, non. Il y avait tomate dessus. Il y avait carotte. Il y avait concombre. Il y avait viande. Il y avait chou. Mais il dit au riz, là, ça quitte tout ça. C'est que le riz, il a quitté quelque part là-bas. Carotte est quittée à Man là-bas. Tomate est quittée à Odiené. Oignon est quittée à je ne sais où. Tout s'est regroupé dans mon assiette. 1000 francs seulement. Oui. Un poulet, 1000 francs. Alors il dit, si on veut compter les. C'est-à-dire que il a amené tout ça là dans mon assiette. Ce n'est pas moi qui ai payé, hein. C'est lui qui m'a octroyé, c'est lui qui m'a donné ça. Claire. Parce que si on veut réunir tous ces éléments-là, ça ne coûte pas 1000 francs. Transport de Odiené à ici pour envoyer Oignon, ce n'est pas 1000 francs. Mais tout ça là, réunir ça dans ton assiette, tu finis les mains qui disent, ouais, c'est bien. Odiené, hein. Il peut attaquer maintenant, allons-y. L'homme. Vas-y, frère. Est vraiment très injuste, très ingrat. Dieu dit, on est injuste et puis on est ingrat. Pourquoi Parce qu'après avoir fini de donner tout ça là, on dit Dieu n'existe pas. Méchant que tu es. Et non, Dieu n'existe pas. Après t'avoir donné toute cette force, il a suggéré toute chose pour toi. Tu sens son air, tu payes facture d'eau, tu te plains. Courant, tu te plains. Mais facture de ton souffle de vie, on t'a jamais demandé. Mais toi, tu oses dire non. Que non, Dieu, avant la fin de Dieu, là, qui est moi pour aller voir là-bas si ça existe ou ça n'existe pas.
Laissez-les perdre les temps. Nous allons y chercher nos jetons. Non. Après avoir donné tout cela, après t'avoir attribué toutes choses, au lieu d'être reconnaissant vis-à-vis de ton Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en as taillé un bois. Tu lui donnes œil, nez, bouche, hein, deux pieds. Maintenant, quand il pleut, toi-même, tu cours pour aller chercher ça pour fuir. Tu mets ça à Jésus, lui, ça à Jésus. On est méchant. Alors, il dit, votre divinité que vous adorez en dehors de lui, là, elles ont des yeux, mais elles ne voient pas. Clair. Une bouche, mais elles ne parlent pas. Hein? Une narine que tu as dessinée pour donner à ton Dieu, là, il va respirer quoi? Les frères, nous-mêmes, après que Dieu nous a rendu patron sur la terre, il dit, je vais mettre sur cette terre-là un vicaire, c'est-à-dire un responsable, un babachet. Les anges même disent, ah, mais tu vas venir mettre quelqu'un qui va te désobéir. Il dit, je sais ce que vous ne savez pas. Claire. Toi, Dieu a fini de faire de toi quelqu'un de un vicaire. Tu es arrivé sur la terre. 9 mois, tu as poussé. Il t'a fait rentrer dans le ventre d'une femme. Elle avait deux cœurs. Toi, ton cœur, plus pour elle-même. Tu es sorti. On a arrêté ton nom. Tu t'appelles Abdulaziz. 2 ans après, 10 ans après, tu changes de nom. Tu t'appelles Sephonia. Tu es méchant. Claire. Tu es méchant. Toi, quand tu es né, ils ont tué 2 moutons. Ils ont fait fête, ils ont chanté Hazan dans tes oreilles. Quand tu as grandi maintenant, après avoir eu tout ce que Allah t'a donné gratuitement, on dit viens Allah à la mosquée, tu vas à l'heure, tu dis non. Hein. Moi, un petit anniversaire, ben, il faut qu'il y aille gérer ça. On va faire une mosquée, l'avancée et ça. Tu es non. Méchant. Toi, on t'appelle Moussa. Non, tu dis non, il m'appelle Moussa le pétrolier. Tu es méchant. Claire. Sabrina la charmeuse, tu es méchante. Après avoir donné tout ça à l'homme, qu'est-ce que l'homme en retour? Qu'est-ce que Allah attend de nous en retour? La reconnaissance et son adoration. Voilà pourquoi, si tu veux être vraiment reconnaissant vis-à-vis d'Allah, médite sur le verset là. Il a cité tous les éléments pour que tu saches que tu n'es pas auteur de quelque chose. Tu n'es que profiteur de quelque chose, de ses bonnes grâces. Tu profites. Nous tous, on a des cocons sur la terre ici. Voilà pourquoi quand on va partir, on ira sans rien. Sauf les actions qu'on a posées. Claire. Parce qu'on n'est pas propriétaire de quelque chose ici. Oui. Le vent ne nous appartient pas. Sauf que Dieu nous a soumis ça. Et il était important pour nous d'être reconnaissant vis-à-vis de ce Dieu-là. Et aussi être reconnaissant vis-à-vis de son messager Muhammad. Ainsi de ceux qui nous ont formés, ceux qui ont été un modèle pour nous. Ceux grâce à qui on a pu copier quelque chose. Non. Avant. Aujourd'hui, si on arrive à retenir des versets, c'est parce qu'on a regardé quelqu'un qui s'appelle ordinateur. Je vous en prie. On dit, Jésus alla sur la montagne et il passa toute la nuit à prier. Oui. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Merci. Luc 6, 12. Je voulais voir si tu avais vieilli un peu, mais oui. Barbe blanche, mais mémoire est tranquille. On dit, nous, si on veut mémoriser les versets aussi comme ça, c'est ce qui nous a poussé à rentrer dans cette dawa. À dire aux gens, l'islam est vrai. En dehors de l'islam. En dehors du prophète Mohammed, tout chemin que vous allez emprunter, il y a un gros trou devant, vous allez tomber. L'islam, c'est la lumière, les autres, c'est les ténèbres. Oui, quand on donne la parole. Vous avez vu une religion contre quelle islam? Vas-y, frère. Ne sera point agréé. Non. Et il sera dans le-delà parmi les perdants. C'est clair. C'est qu'il n'y a pas de négociation. C'est dès maintenant que vous devez faire le choix. Et vous aussi qui avez déjà fait le choix d'être musulman, c'est dès maintenant que vous devez attraper ce cadeau-là pour ne pas que ça vous échappe. Soyons reconnaissants vis-à-vis d'Allah. Et aujourd'hui, nous témoignons notre reconnaissance Nam. Vis-à-vis de notre docteur Abdulmadjid. Nam. Ainsi que moi particulièrement, d'Oustaz Jalé et de Benisla. C'était la DDR pour vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Non. Merci. Es-tu Ismaël? Merci à la Mouma Centrale, la Oustaz Yané de la DDR. Merci infiniment L'homme pour fort. Ce pas spirituel. Calé, tu as la partie technique là. Depuis des jours déjà pour chef, nous permettre de la parole d'Allah. Mesdames et messieurs, chers imams, je vais profiter de ce public pour saluer. Donc, l'imam Idriss Papa, l'imam qui enseigne.
la langue arabe, là, ainsi que les écritures, les moutoudes, je vais dire les isbars, les gammes. Mais Gourna, Béraïre Gourna, c'est lui qui le fait, avec les élèves d'Abdul Majid d'Abam 1781. J'ai profité aussi pour saluer l'Uraïs du Codice d'Abou, voilà Mohamed Kamara, de nous avoir rejoints. Shukran Allah, comme Jésus, l'an Mouadjaza, comme on l'a ouvert. Mesdames et messieurs, à tout événement, Rasoul nous a enseigné, pays salut celui, qu'il va falloir mettre avec vous un amir. Et cet amir-là, il sera inspiré, Inch'Allah, par Allah, pour nous donner les bonnes décisions dans le programme. Alors, nous avons notre amir, de tous les groupes religieux, de l'interreligieux, qui sont venus ici, à l'effet de nous permettre de continuer cette cérémonie. Amir, Sobra, Kamagati, soit bon, bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maître, avec votre permission, éminence, chers imams, mesdames et messieurs, les personnalités administratives et politiques, chers frères et sœurs musulmans, mes condisciples, je vous adresse la salutation des gens du paradis. Yeah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Aujourd'hui est un grand jour. C'est un grand jour en ce sens que tous les élèves qui se réclament du docteur Abdul Majid, en tout cas les groupes majeurs, après avoir fait des émules à travers le pays et en dehors du pays, se réunissent aujourd'hui derrière leur maître pour essayer, non pas pour démontrer leur savoir, mais pour démontrer une chose. Et cette chose, quelle est-elle? C'est l'union, la force. Allah dit, « Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. » Il dit, « Cramponnez vos câbles d'Allah, ne vous dispersez pas. » Aujourd'hui, dans le paysage de l'interreligieux, il nous a donné de constater une pluralité de groupes que beaucoup pourraient interpréter comme étant le symbole de la division. Que nenni. À travers cet acte ou cet événement, nous voudrions démontrer à la face de nos frères musulmans et de tous ceux qui nous suivent à travers le monde, de tous les pays, que la pluralité des groupes ne symbolise pas la division. Mais cela pourrait tout simplement traduire un redéploiement des forces. Parce qu'il est arrivé que pendant que la BAM était au nord de la Côte d'Ivoire, Nouridin Djama était au sud et DDR à l'est. Pendant que la BAM était hors du pays, Nouridin Djama, DDR, assurait, n'est-ce pas, la prédication. Quand DDR était au Mali, à Lomé, au Burkina, le travail se faisait. Quand Nouridin Djama allait jusqu'au Congo, le relais était toujours assuré. Est-ce qu'on peut parler de division dans ce cas? On parle, comme je l'ai dit, de redéploiement, d'une intelligence, d'un schéma voulu par Allah subhanahu wa ta'ala, qui, si nous le gérions mal, pourrait effectivement traduire la division. Mais la preuve est donnée, comme je l'ai dit tantôt, à travers cet événement, que la cohésion est de mise entre les élèves d'Abdul Majid. Et ce n'est pas qu'un acte de façade. Alors, je ne saurais terminer mes propos sans dire un grand merci à notre cher, le docteur Abdul Majid. Il n'aime pas trop le thème cher,
quand les imams sont présents, mais son humilité devra en souffrir parce que, étant son disciple, ce terme, je ne peux que le lui adresser. Tout en reconnaissant aussi le statut de cheikh à nos chiouks qui sont ici présents. Merci maître d'être celui que vous êtes pour nous, d'être ce conseiller, d'être ce père, d'être véritablement celui-là qui nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes, qui nous pousse à vouloir aller de l'avant, qui nous pousse à faire de l'interreligieux, non pas le nid des médiocres, mais une lucarne où l'excellence s'exprime quand il s'agit de défendre l'islam. Et j'espère qu'à travers les balbutiements de nos pas, nous arrivons quand même à montrer aux musulmans qu'ils doivent être fiers de leur religion. En témoigne ce public qui est là. Qu'Allah vous récompense tous. Qu'Allah nous récompense tous. Qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci infiniment à l'amir Kamagate Souamou pour bien sûr sa note, n'est-ce pas, tellement importante à pouvoir justement permettre au groupe d'être consolidé, parce que les amirs, on en a besoin justement pour pouvoir nous guider et nous aider dans les sillons de ce que nous avons donc entrepris. Mesdames et messieurs, il m'est important de saluer ici les frères, je vais dire notre imam Aboubakar Konaté qui ne se sent pas très bien, s'est fait donc représenter par ces deux frères à qui je dis Ahlan Bikoum, wa sa'alan, wa marhaban. Merci infiniment d'être là. Et je vais donc saluer aussi notre autorité, M. Mouri Kamara, qui nous a rejoint. Shukran lakum jazilan wa jazakum lahu khairan. Il est donc le deuxième adjoint du maire de Trècheville. Avec votre permission, ici et maintenant, mesdames et messieurs, je vais appeler les gladiateurs, la BAM 1781. Il s'agit de celui que j'appelle affectueusement la note explicative, l'homme des trois niveaux, Béni Islam, et de Mouaz Boundjabal, la vitesse 7.0. Merci infiniment. Takbir, Souma Takbir. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بلغني لونج الله le Seigneur des mondes qui de par sa grâce et son infinie bonté et sa miséricorde a fait de nous des vivants jusqu'à cet instant précis. Sans que cela ne soit lié ni à notre force, ni à notre intelligence, ni même à un quelconque effort de notre part. Nous le remercions, nous le glorifions, et de par sa grâce encore, il nous permet de saluer toutes les autorités présentes, les imams, les frères en islam et les sœurs. Merci à tous pour votre déplacement. Et personnellement, ce genre de rassemblement, ça rappelle le jour de la résurrection, où il y aura aussi un grand rassemblement comme celui-ci. Alors, il parle de ce jour dans le Coran. Non. Il dit dans la sourate 3, verset 30, « Yaoum tajidu kullu nafsin ma amilat min khayrin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan ba'ida wa yu'azirukumullahu nafsa wa allahu ra'ufun bil ibad. » Tout simplement dans l'essai de traduction, Allah nous dit ici qu'il y aura un jour où tous les êtres humains seront face à leurs actions. Ce que l'homme aura fait de bien, comme ce que l'homme aura fait de mal. Non. Allah dit ce jour-là, le criminel, ou tout simplement l'être humain qui aura commis le mal sur la terre, non, aura voulu que son mal s'éloigne, loin de lui. Allah Akbar. Amadan Ba'ida. Non. Il faut que le mal soit loin de lui. Non. Et Allah dit quelque chose, Wa'azirukumullahu nafsa. Allah nous met en garde contre sa propre personne. Allah est en train de nous garantir. Non. Et il ajoute à la fin l'espoir pour les musulmans. Wallahu ra'ufun bil ibad. Allah en réalité, il est compatissant envers ses serviteurs. Allah. Et ce jour-là encore, le prophète alayhi salatu wa salam nous enseigne dans un hadith Qudusi que Allah subhanahu wa ta'ala dira: "Aina al-mutajarrisuna fi jalali
qui sont ceux, où sont ceux qui se sont assis en ma majesté? Où sont ceux qui se sont déplacés de leur contrée, de leur maison, de leur village, de leur ville, de Dabou et autres, pour venir ici, rien que pour faire ce qu'il y a de plus grand? Rien que pour s'asseoir, pour écouter le rappel d'Allah. Pas parce que ça va augmenter quoi que ce soit, si c'est qu'ils savent ou pas. Non. Il y a plus savants que nous dans la foule. Il y a même plus savants peut-être que le docteur Abdelmadjid dans la foule. Non. Mais vous vous êtes déplacés juste pour pouvoir faire quoi? Venir écouter le rappel d'Allah. Allah Akbar. Et alors il posera la question ce jour-là. Aïna al-Mutajalisuna fi Jalali. Allah. Où sont ceux qui ont fait ce genre d'assises là, ma majesté? Allah Akbar. Il dit, il dit aujourd'hui, ils seront sous mon nom, aujourd'hui où il n'y a d'autre ombre que la mienne. Allah. Et on nous explique qu'il y aura sept catégories de personnes qui seront sous l'ombre d'Allah ce jour-là. Non. Et à travers ce hadith, on comprend que vous, si vous vous maintenez dans ce genre d'action, vous serez parmi les sept catégories de personnes qui seront sous l'ombre d'Allah. Allah. Le jour où le soleil sera à quelques coudées de nos têtes. Subhanallah. Le soleil qu'on voit loin, ça brûle nos têtes, ça sera à quelques coudées seulement de nos têtes. Subhanallah. Alors, chaque fois que je suis en islam, toujours les rassemblements, comme je l'ai dit, ça nous rappelle ce jour-là. Non. Nous sommes là-bas, les élèves d'Abdelmadjid. Maître, il n'est pas derrière la route. Inch'Allah. Donc nous sommes des élèves d'Abdelmadjid, la bombe 1781. Non. Et il me vraiment soit ce soir de nous dire, de vous dire pourquoi Bam, surat 17, verset 81. En réalité, cela commence au verset 80. Et si je lis ce verset, d'aucuns comprendront souvent nos réactions. Bismillah. D'aucuns comprendront souvent nos prises de position. Non. Que certains jugent souvent comme étant dures. Effectivement. J'ai envie de dire pourquoi. Bismillah. Surat 3 à partir du verset 80. On dit. Alors dit Wakul. Surat 17 à partir du verset 80. Alors dit Wakul. Et dit. Rabbi adkinni mudkhalan sidqin. Oh mon Seigneur. Attends d'abord. Wa akhrijni mukhrajan sidqin. Ça fait deux. Ça fait deux. Adkinni mudkhalan sidqin. Wa akhrijni mukhrajan sidqin. Allah. Oh Allah, fais-moi entrer ou bien fais que j'entre par une porte de vérité. Non. Ça fait un. Fais que je sorte par une porte de vérité. Non. Ça fait deux. Avant d'y aller à la suite maintenant, tu peux t'en dire. Et à quoi demander papa? Moi j'ai Ali Min Ladunka Sultanan Nasira. Bénéficiant de ton secours. À quoi demande ta part un pouvoir qui bénéficiera de ton secours le moment venu? Non. Ensuite, maintenant là, il vient maintenant avec le verset que vous lisez partout sur nos logos. Wakul Ja al Hakku. Wazakol Batila. Et dit la vérité, l'islam est apparu, ou non. Simplement la vérité, pas seulement la vérité, l'islam. Parce que la vérité se trouve dans l'islam lorsque le mensonge veut venir dans l'islam. Exactement. Et ça, la bombe n'est pas aussi. Non. C'est pourquoi je dis, vous comprenez souvent certaines de nos réactions. Et si vous êtes compatissant, vous arriverez à ne pas nous juger souvent sur certaines prises de position. C'est toujours dit que nous recherchons la grâce, la miséricorde et l'amour d'Allah. Non. Donc avant de lâcher, frères et sœurs, la bombe étant présentée, pourquoi l'islam? Parce que nous nous sommes donné pour mission de défendre l'islam. Pourquoi l'islam? Parce que tout simplement, comme le maître a pour habitude de dire, non. Allah donne une assurance aux musulmans. Dans la sourate 3, verset 19, il dit « Inna dina indallahi al-islam ». La religion agréée par Allah, ce n'est autre que l'islam. Et vous verrez qu'il n'y a aucun livre à la surface de la terre qui dit où il y a ce genre de versets mentionnés. Non. Où il dit la religion agréée par moi, c'est une telle religion. Ça, je répète ce que le docteur a pour habitude de dire. Bismillah. Et pourquoi encore l'islam? Non. Parce que sur 3 verset 30, Allah nous dit tout simplement, et dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah, telle est la nature qu'Allah a originellement donnée à l'homme, point de changement de la création d'Allah. Wow. L'islam, c'est la religion originelle. Tout enfant d'un musulman, après l'orientation de ses parents, va le faire changer de religion, non. Ou va le faire rester ou adopter l'islam comme religion. Non. Pourquoi l'islam? Parce que le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam a dit de lui dans la sourate 33, Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadira. Ya'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Parce que notre prophète, notre messager, il a été envoyé comme témoin, annonciateur, avertisseur pour appeler les gens à Allah. Et étant comme une lumière éclairante. Allah. Le messager Muhammad alayhi salatu wa salam, il est une lumière éclairante. Non. Donc nous musulmans, on ne peut jamais rester dans le noir. Voilà pourquoi l'islam. Pourquoi l'islam, chers frères et sœurs? Parce que dans la sourate 5 au verset 3, Muhammad alayhi salatu wa salam, il est venu parachever ce qui avait commencé depuis l'aube de la création. Non. Ça fait un. Aujourd'hui, les mécréants désespèrent de vous détourner de votre religion.
Ne les craignez donc pas, mais craignez Allah. Non. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam ad-dina. Il dit aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Allahu Akbar. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Voilà une partie que nous négligeons souvent, chers frères et sœurs. Non. J'ai accompli sur vous mon bienfait. Et j'ai agréé l'islam pour vous comme religion. Allahu Akbar. Tout simplement, l'islam est un bienfait, chers frères et sœurs. Non. Et nos frères prédécesseurs, nous disent jamais de la DDR. L'ont si bien mentionné, l'islam est une grâce, l'islam est une bénédiction. Et nous continuons pourquoi l'islam? Parce qu'elle a donné encore un autre garde à Sourate 15, verset 2. Rubama yaradul lazina kafaru, laoukianu muslimin. Merci, tiens. Il dit, au jour de la résurrection, les mécréants vont regretter de ne pas avoir été musulmans. Allah. Tu as un parent musulman, il faut lui faire la dawa. Non. Parce qu'au jour de la résurrection, le regret il sera total et entier. Subhanallah. Pourquoi l'islam? Sourate 3, verset 85. Allah dit waman yabtagi ghayra al-islam dinan man yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Allahu Akbar. Il dit celui qui désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé. Il dit bien ne sera point agréé, il y a pas ouverture. Non. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Allahu Akbar. Pourquoi l'islam, chers frères et sœurs? Parce que l'islam c'est la religion de tous les prophètes. La sourate 3, verset, la sourate 2, pardon, verset 136, allez donner un ordre aux musulmans, aux lecteurs du Coran. Il dit, Koulou, dites, Amanna billahi, nous croyons en Allah. Mais qui est Allah, chers frères et sœurs? Pourquoi nous devons croire en lui? Allah, il est Al-Hayyul-Lati, Al-Hayyul-Lazi, pardon, l'Ariamut. Il est le vivant qui ne meurt pas. Premier élément. Si tu es un Dieu qui meurt, il ne peut pas être Allah. C'est clair. Si tu es un Dieu qui meurt, il ne peut pas être digne d'adoration. Effectivement. Si tu es un Dieu qui a goûté à la mort, ne serait-ce que l'espace a bien clin d'œil. Non. Sache que ce n'est pas le Dieu qui a créé les cieux et la terre qui ne mérite pas l'adoration. Voici la vérité. Parce qu'Allah, il est le vivant. Non. Il n'est même pas vivant. Il est le vivant, mais qui ne meurt point. Kalas. Ça fait un élément. Non. Pourquoi Allah? Parce qu'Allah dit dans la sourate 50, verset 38. On la cause de Allah, samawati wal ard. Il dit, nous avons créé les cieux, la terre, et ce qui se trouve entre les deux, non. Tout simplement en faisant quoi? Non. Nous n'avons éprouvé aucune lassitude. Alors si tu as un Dieu ou une divinité, qui lorsqu'il crée les cieux, la terre, en six jours, en six périodes, il finit de créer, il est fatigué, il va se reposer. Mon ami, ce n'est pas Dieu qui a créé les cieux et la terre. Allah. Revenez-moi du temps, hein. Pareil, façon, ça y est là. En tout cas, il faut. Pas béni va manger sur mon pied. Il aime ça. Donc, si tu es un Dieu qui, après avoir créé les cieux et la terre et ce qui se trouve entre les deux, tout ce que tu sais comme tout ce qui ne sait pas, si tu es un Dieu qui a fait tout ça là, c'est un prodige, en six périodes. Moi, je n'aime pas dire six jours, je préfère dire six périodes. Effectivement. Lorsqu'il finit les six périodes, il se repose. C'est pas lui qui a créé les cieux et la terre. Non. Parce que Allah, là, t'as rouge aussi dans ton voilà, non. Non. Allah, là, somnolent sommeil, là, il ne peut pas avoir ça. Exactement. Parce que s'il a réservé cela à sa créature, non. C'est la créature qui se fatigue, c'est la créature qui somnole et c'est la créature qui dort. Non. Mais celui qui a créé les cieux et la terre ne peut pas dormir. Allah, là, il a où? C'est ce qu'il nous dit. Il dit, lui, il n'y a point de divinité qui est digne d'être adoré en dehors de lui. C'est Allah, Allah. Pourquoi? Allah. Parce qu'il est Al-Hayyu, mais il est même Al-Qayyum. Non. Il est le vivant, mais qui subsiste par lui-même. Si tu adores une divinité qui a une fois eu fait. C'est vrai, c'est comme là, le verset 22. Si ta divinité a eu fait, et puis elle a cherché un fruit pour couper, il n'y a pas fruit à la maudite âme. C'est que ça peut pas être Dieu qui a créé les cieux et la terre. Ça, c'est clair. Chaque fois que ça réveille nous, l'islam est une beauté. Et Allah, si on veut le présenter réellement, on ne va pas quitter. C'est l'objet d'une conférence totale. Ça, c'est clair. Mais on va continuer avec le verset 136 de la sourate 2. Déjà. Koulou amanna billahi. Le temps court. Hein. Dis, nous croyons en Allah. Non. Wama unzila ilayna. Allah dit de dire, nous croyons en Allah. Et c'est quoi on nous a révélé? Et qu'est-ce qu'on nous a révélé? C'est une lumière, c'est le Coran. Allah dit, wanuna zilu min al Quran. Non. Wanuna zilu min al Quran. Min al Quran, il parle de ma huwa shifa'u. Wa rahmatun. Ça, c'est le verset de mes gars là. Ils ont été récités. Wanuna zilu min al Quran. Ma huwa shifa'u. Wa rahmatun lil mu'minin. Allah. Et il y a dans le Coran, c'est qu'il y a une guérison pour les cœurs.
et une miséricorde. Maintenant, ce qui est une guérison pour les cœurs, chers frères et sœurs, j'interpelle nos frères et sœurs, ayez recours à la roquia. Ayez recours à la médecine prophétique traditionnelle. Non. Arrêtez d'aller voir les charlatans, les jeteurs de colis, les touraboutilas, je ne sais quoi encore. Arrêtez d'avoir recours à ce genre de personnes, surtout la gente féminine. Parce qu'aujourd'hui, le cirque pénètre nos maisons, le cirque pénètre de notre foi. Subhanallah. Que j'aime répéter le verset 82 de la sourate 6. Allezina amanu wala mialbisu imana rumbizul min. Faisons attention à ce verset-là, chers frères et sœurs. Tu as cru, c'est bien, mais tu n'as point trouvé la pureté de ta foi par l'iniquité. Et quelle est la première des iniquités? Il n'a sur qu'à la zulmu nazim. C'est le fait d'associer à Allah. Et aujourd'hui, on associe à Allah sans le savoir. Je l'ai dit à Dabou, je l'ai redit. Si vous mettez le collier blanc noir sur vos mains, sur vos coups, sur les mains de vos enfants, sur les coups de vos enfants, cassez-vous et puis coupez. Allah, c'est le cirque. Collier ne peut pas protéger l'homme, les gars, les gars. Collier ne peut rien créer. Le protecteur par excellence, il coule nafsin l'amalija hafizan. Il protège toutes les âmes, chers frères et sœurs. On est un Seigneur comme ça. On est un livre comme ça. Et puis on se rabaisse. Et puis on se laisse. Non. En même temps, on aura aussi diminué un peu les prix là. Ouais. Et vous faites aussi les gens fuir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé le Coran. Comment ça? On n'a rien dit d'abord. Le Coran qui est une lumière. Allez, dis encore. Alors, arrêtez ça. Pourquoi on finit le verset même? Bon, laissez, finissons le verset au moins. On va finir au moins le verset. Ça dit, Wama Unzila, il est là. Wama Unzila. Il est là. Non, 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 ça va, ça d'abord. Wama Unzila, il est là. Ibrahim. Qui est Ibrahim? C'est le père de la foi, le patriarche. On voulait développer un peu l'affaire d'Ibrahim là. Mais vraiment, les gens sont en retard. Ça sera compliqué. Wama Unzila, Ibrahim. Wa Ismaïl. Ça, c'est le sujet préféré de mon frère. Donc, si vous voulez Ismaël, dites Ismaël, il va en parler un peu. Wa Ishaq, wa Yaakoub. Ceux qui sont sortis de Yaakoub, c'est-à-dire les 12 tribus. Wa ma'outiya Moussa wa Isa. Wa ma'outiya Nabiyuna min Rabbihim. La nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Allah dit que nous croyons en tous les prophètes parce que tous ont prêché l'islam et nous ne faisons aucune distinction entre eux. Et soyez témoins que nous sommes. Ok, j'arrête, Inch'Allah. Soyez témoins que nous sommes soumis. Vive l'islam et béni soit l'islam. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Summa Salatu wa Salam ala Rasulillah. Rabbi, Shara li Sadri wa Yassir li Amri wa Hlul Okodata Bilisani. Yafka wa Kauri. Amen. Aucun droit ne me sera donné tant que la bénédiction d'entamer ma part de prédication ne me soit octroyée par celui que j'appelle Padre, celui avec qui j'ai une connexion non seulement physique et spirituelle. Alhamdulillah, également, avec la permission de nos chourous, nous demandons la route pour entamer également le peu que nous pouvons donner comme notre part de prédication. Alhamdulillah, Souma Salat wa Salam ala Rasulillah, Mouaz l'a si bien dit, pourquoi l'islam? Vraiment. Al-Hussein, là nous salmodier la sourate 7, le verset 157 à 158, pour nous permettre de rentrer dans les profondeurs du pourquoi l'islam. Et également, à partir de ce ayat, vous allez comprendre pourquoi l'inter est religieux. Parce que quand on dit inter, c'est-à-dire le croisement des différentes croyances existantes sur la terre pour l'établissement de la vérité et de l'unique croyance qui n'est rien d'autre que l'islam. Sourate 7, le verset 157 à 158. A'ouzou billahi minash shaytanir rajim. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة ويحل لهم
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Ce qu'il trouve mentionné dans le Coran et dans la Torah, le prophète illettré, Mohammed ibn Abdal, il le trouve mentionné dans la Torah et dans l'Évangile. Il les ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Allahu Akbar. Mohammed nous a libérés du carcan de l'ignorance. Allah. Il nous a appris en nous informant dans la sourate 3, verset 59, en disant en ces termes que pour Allah, Issa est comme Adam. Que Allah il créa de pousser et dit soit et il fut. Allahu Akbar. Mohammed nous a libérés également du carcan de l'ignorance en nous apprenant que Issa n'est rien d'autre que Ibn Maryam. C'est clair. Le fils de Marie. Effectivement. Loin d'Allah d'avoir un fils. C'est clair. Et Mohammed nous a rappelé en disant en ces termes que si Allah avait un fils, il serait le premier à l'adorer. Allahu Akbar. La obéissance et soumission à son créateur. Non. Pourquoi l'islam? Parce que Mohammed nous a libérés. Effectivement. Il nous a libérés de l'obscurantisme et de l'ignorance. C'est clair. De ceux-là qui prétendent que Dieu serait devenir un être humain. Allahu Akbar. Nous avons suivi la voie. La voie de son ami intime Ibrahim alayhi salam. Celui-là qui l'a appelé ami intime. Allahu Akbar. Puisque le temps il est très court. Je vais essayer de condenser les propos. Peut-être qu'une prochaine fois, on aura l'occasion de développer. Et Ibrahim a eu deux fils. Non. Dont le premier s'appelle Ishmaïl. Principaux. Non. Ishmaïl a eu un fils du nom de Keïda. Keïda, avec ses membres, se sont multipliés à la Mecque. Effectivement. Et Keïda a produit Mahad. Mahad nous donne Ilyas. Ilyas nous donne. Non, Mahad nous donne plutôt Mouda. Non. Et Mouda nous donne Ilyas. Et Ilyas nous amène jusqu'à Kinana. Alors, bon. Et les Kinana va sortir, parmi les Quraysh, va sortir le noble prophète Mohammed. Nous parlons beaucoup de Mohammed, mais nous oublions Ismaïl. Les gens ont essayé, comme Allah l'a dit, en mélangeant le faux à la vérité et cachant sciemment la vérité. Ils ont essayé de montrer Ismaïl comme étant une bête, l'âne sauvage. Mais en voulant dénigrer Ismaïl dans le livre de la Genèse, ils ont plutôt promu Ismaïl en ces termes. En disant que Ismaïl était un âne sauvage, ils ont démontré la nature pure, la filtre d'Ismaïl. Parce qu'un âne qui est sauvage, c'est un âne qui n'a pas été dompté, qui vit dans un milieu naturel et qui n'est protégé et dirigé par Allah. C'est ça le sauvage. Quand on dit par exemple une mangue sauvage, ça ne veut pas dire que c'est une mangue brutale. C'est une mangue à l'état pur. C'est clair. Donc Ismaïl, dans le livre de la Genèse, est appelé âne sauvage. Alors, pourquoi âne sauvage? Parce que dans le verset de la Genèse chapitre 21, ils vont nous dire que Ismaïl sera élevé par Dieu lui-même. Allahu Akbar. Élevé et éduqué par Dieu lui-même. Effectivement. Ils ont essayé de camoufler la vérité. Non. Mais nous l'avons détecté. C'est clair. Et dans notre quête de la soif de la vérité, on a compris que de la Genèse à l'Apocalypse, écoutons, il n'y a pas un être humain qui a été nommé directement par Dieu en dehors d'Ismaïl. C'est lui, Bali. Il est le premier être humain, malgré tout ce qu'on dit sur lui, qui a été nommé par Dieu. Et son nom comporte le nom de Dieu. Encore une fois, Willy Bali. Il est le premier. Et la maman d'Ismaël qu'on appelle Agar, on dit qu'elle est esclave. Ils sont allés jusqu'à dire qu'elle ne sert à rien. Subhanallah. Mais Agar, dans leur propre document, il n'y a pas un juif ni un autre chrétien susceptible de lever ce qui est en train d'être dit. Encore une fois, Willy Bali. Agar est la toute première femme à recevoir la visitation d'un ange pour une annonce prophétique. On en veut pour les contradictions, pas ici quoi. Elle est la première, de la Genèse à l'Apocalypse. Donc ça nous démontre clairement que Agar et Ismaïl sont deux personnes singulières, c'est clair, particulières, à un grand destin. Alors, Akbar.
un grand destin. Non. C'est pourquoi de tous ses enfants, Allah va sortir le dernier des messagers pour venir couronner le message des messagers. Allah, c'est pourquoi il nous dit, nous ne faisons aucune différence entre les messagers d'Allah. Et nous sommes tous soumis à Allah. C'est clair. Jeunesse musulmane. Et écoutons. La fierté est grande pour nous d'être ici ce soir. Effectivement. 90% sont des jeunes. C'est clair. Qu'est-ce qui nous fait courir? Non. Est-ce que c'est la présence du docteur qui vous envoie ici? Question. Est-ce que c'est la présence de ces élèves qui vous envoient ici? Réflexion. Ou bien c'est la soif de la nourriture spirituelle qui vous envoie ici? Méditation. L'intention. Non. Les actes ne valent que par l'intention. Effectivement. Qu'Allah assainisse nos intentions. Amen. Et qu'il nous aide à être ces musulmans purs et sincères. Non. Et que nous soyons le reflet. Le reflet de tout ce que nous prônons. Amen. Parce qu'il est très important d'éviter d'être de ceux qui disent « Fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. » En même temps, nous ne sommes pas des anges. Nous sommes des êtres humains. Et le rat étant humain, nous pouvons en faire. Alors nous demandons clémence auprès des uns et des autres. Pour dire que nous pouvons commettre des erreurs. Effectivement. Et il faudrait que vous soyez indulgents envers nous. C'est clair. Nous ne sommes pas des sachants. Nous ne sommes même pas proches même des ignorants. Je me demande même quelle est notre position. Mais Allah, il fait grâce à qui il veut. C'est vrai. Et par sa permission, nous sommes devant vous pour être quelque part le porte-voix des musulmans, le porte-voix des imams. C'est clair. Ici, c'est le lieu de demander à nos devanciers de nous accompagner avec le partage de la connaissance que nos devanciers ont. Nous avons beaucoup à apprendre. Certes, nous avons appris auprès du maître beaucoup d'éléments. Il y a encore beaucoup à apprendre. Mouaz l'a dit, il y a peut-être des gens ici qui sont plus sachants que le maître même qui est derrière nous. Effectivement. Et c'est une vérité. Non. Lui-même ne le cesse de le dire en toute humilité. Qui n'est parmi les ignorants. C'est-à-dire, il est ignorant, mais il n'est même pas proche des élèves des Sioux. C'est clair. Et c'est une vérité. Effectivement. Alors nous demandons qu'Allah lui donne la longévité profitable. Amen. Et qu'il nous aide à maintenir le cap de cette da'wa pour pouvoir donner et présenter l'islam tel que l'islam doit être présenté. Amen. Loin de tout dénigrement, loin de tout ce que l'on peut nous présenter comme étant l'islam à travers ces actes de barbarie que l'on nous présente. Et je chute en ces termes en disant, allons-y. Allah nous a créé des mâles et d'une femelle. Effectivement. Il a fait de nous des nations et des tribus pour qu'on puisse s'entreconnaître. Effectivement. Le meilleur homme n'appartient pas à une race. Le meilleur homme n'appartient pas à une ethnie. Mais le meilleur homme, c'est celui qui saura valoriser et craindre Allah. 49 verset 13. Verticalement et horizontalement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah oui, effectivement. Et tous les moments. Merci infiniment à Mouaz Boudjaballa, les versets automatiques. Que j'appelle affectueusement la note explicative Pélé Islam à l'évangéliste de nous avoir servi donc cette nourriture spirituelle. Là, je profite pour saluer Imam Zakaria Tramé, imam bien sûr de Ouagadou, et par ailleurs à l'imam de l'avenue 21, Inch'Allah. Alors, mesdames et messieurs, chers Chourouk, distingués imams, le moment tant attendu est arrivé. Voilà, je le sais. Alors, ce sont les moments d'émotion. Voilà. Wakulja al-Haku wazak al-Batil, in al-Batil akana zahuka. La vérité donc est venue et l'erreur a disparu. Mesdames et messieurs, mon rôle là, de maître de cérémonie est quelquefois délicat, très délicat, quand il s'agit de présenter notre maître, docteur Abdul Majid. Qu'est-ce que je peux dire? Si ce n'est ce que Béni a dit tout à l'heure. La présentation officielle du maître n'est pas donc demandée, n'est pas voulue. Le maître, pour ceux qui ont suivi donc la conférence de Dabou, le maître me rappelait, mon cher frère, que face, bien sûr, à mes imams, face à mes juridis, face à ceux-là qui m'ont appris le dîn, je ne peux être tout ce que tu as cité. Comment on fait pour le présenter, mesdames et messieurs? Vous avez à chacun votre idée à vous, personnelle, que vous êtes faite du maître. Votre idée, vous l'avez vue, vous l'avez lue, vous l'avez su partout dans le monde. Vous avez su qu'il défendait l'islam, il défend toujours l'islam, avec corps et âme. Mesdames et messieurs, avec toute la différence que je vous dois, je vous demander humblement, avec un vibrant tapis, de recevoir ici et maintenant notre docteur, Mualim Mohamed, Mualim Abdul Majid. Excusez-moi, Mualim
Abdul Majid Kassoubia. Konaté. Aya Konaté déchu. Adakoya Koïta. Mesdames et messieurs, suivez mon regard. Recevez le docteur Abdul Majid Kassoubia. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمة الإسلام والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي على فترة من لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد وعلى آله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. Chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs non musulmans en Inde, avant toute chose, je remercie Dieu pour son plus grand bienfait, celui de nous avoir dirigés sur la voie de l'islam. Et je le dirai pourquoi. Et ensuite, j'implore Dieu pour qu'il couvre des grâces et des bénédictions notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi, qui a été envoyé après plusieurs siècles passés sans l'apparition d'aucun prophète dans aucun pays du monde, d'y envoyer le prophète Mohammed pour qu'après son passage, l'humanité tout entière, toute l'humanité, ne puisse trouver d'argument échappatoire devant Dieu le jour du jugement dernier. Je remercie les autorités administratives de cette commune, Prêcheville, de nous avoir octroyé l'autorisation de tenir cette activité. Et ensuite, je remercie nos chourous, nos oulémas, de nous avoir honorés de leur présence. Vous êtes sans le savoir que j'ai toujours l'habitude de dire plutôt que les chourous pour moi sont comme l'eau avec laquelle nous prenons ou nous faisons nos ambitions. Et nous autres, nous sommes comme là les sables du Tayamou. Ceux qui ont étudié les fiqh, ils savent de quoi je parle. Donc quand il y a l'eau, on n'a pas besoin du sable du Tayamou. Donc quand les chourous sont là, on n'a pas besoin d'Abdul Majid. On n'a pas besoin de Béni, on n'a pas besoin d'Ekra, Abdallah Lopez, on n'a pas besoin de Djané, on n'a pas besoin d'Ismaël Aka, on n'a pas besoin de Moaz, on n'a pas besoin de Kamagaté, on n'a pas besoin de tout cela, on n'a pas besoin. Quand les chiots sont là, parce que nous sommes ceux-là qui portent les chaussures des chiots. Et nous ne pouvons pas. Je ne pouvais jamais se tenir devant vous aujourd'hui, prendre la parole devant vous dans le cadre de cette activité, si nous n'avions pas été au pied des chouyours pour apprendre la religion. Jamais. Et c'est pourquoi je dis toujours aux gens qui nous écoutent, et notamment les non-musulmans, quand vous voyez Abdul Majid, vous voyez aussi ses élèves, vous dites, ah, peut-être, hein, il vous arrive de dire, ah, ils sont forts, hein, ils répondent, ils parlent bien, ils répondent à des questions, ainsi de suite. Mais c'est nous sommes les derniers des ignorants de la communauté. C'est-à-dire dans les paniers des connaisseurs, là, nous sommes les derniers des ignorants. C'est pour vous dire, quand vous nous voyez parler, nous présentons l'islam, nous défendons l'islam dans les limites de notre connaissance, sachez que vous n'avez pas encore croisé les fers. Nous sommes rien. Donc si déjà nous arrivons ou parvenons à vous faire trembler,
combien plus forte raison au jour. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit, quand vous voyez un enfant grimper sur un arbre, c'est qu'il y a un adulte au pied de l'arbre qui veille sur lui. Donc quand vous le voyez sur ce podium, c'est qu'il y a des adultes, des chouurs qui sont là et qui nous observent, qui font des doigts pour nous et qui attendent si une question nous sera posée et qui s'avérerait être difficile, qui dépasserait notre connaissance. Aussitôt les chouurs vont intervenir parce qu'il s'agit de mettre l'islam à l'honneur. Donc, l'honneur revient aux chouurs. L'honneur revient à nos oulémas. Nous ne sommes rien. Et je remercie le public d'être venu, les gens, donner sens à cette activité. Parmi vous, il y a des musulmans et des non-musulmans. Mais vous avez accepté de tout abandonner pour venir donner un sens à cette activité malgré vos multiples préoccupations. Que Dieu vous en récompense. Franchement, je suis l'homme le plus heureux de la communauté musulmane d'Afrique. Ce soir, je suis l'homme le plus heureux de la communauté musulmane d'Afrique. Parce que je suis vu dans le continent africain, je suis un Africain. Pourquoi? Parce que Dieu vient de me donner une preuve. Parce que cette raconte, c'est Dieu qui l'a voulu. Et cette raconte, cette famille, la famille des prédicateurs dans l'interreligieux, a été connue dans la préscience de Dieu avant même la création du monde. Et Dieu savait qu'il y aura ça, nous allons nous croiser un jour. C'est pourquoi j'ai dit, je suis l'homme le plus heureux de la communauté musulmane de toute l'Afrique. Donc c'est ça, ce soir, pourquoi? Parce que Dieu vient de me donner une preuve devant tout le monde. Le monde est témoin. Ceux qui me suivent présentement en direct sur les réseaux sociaux et ailleurs, ils doivent comprendre que c'est une preuve que Dieu vient de donner, montrant que Abdulmajid peut mourir et partir parce que la relève sera assurée après lui. Il n'y a pas autre chose. La relève sera assurée. Donc moi je vais partir, il y a d'autres qui vont continuer ça. Donc je suis l'homme le plus heureux. Et je sais que si je partais aujourd'hui parmi eux, et ceux qui vont les suivre après, continueront à faire des doigts pour moi, pour que Dieu m'accorde le paradis en compagnie des champions du Tawhid. J'ai cité Mohammed ibn Abdullah, sallallahu alayhi wa alayhi. Donc je suis l'homme le plus heureux. Et de les voir ensemble comme ça. Wallahi, je suis l'homme le plus heureux. Et continuer comme ça. Parce que nous ne cherchons pas les éloges des humains. On n'a pas besoin de ça. Nous ne cherchons pas les mondes, on n'a pas besoin de ça. Nous ne faisons pas cette dawa pour s'enrichir. Non, 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 non. C'est un devoir sacré pour nous. C'est un devoir sacré pour tout musulman et toute musulmane. Et Dieu nous a destinés pour cela. Bien que nous ne représentons absolument rien face à nos oulémas relativement à la connaissance islamique. Bref, je ne voudrais pas abuser de votre temps, parce qu'en réalité, ce n'était pas vraiment une conférence au sens classique et professionnel du terme. Nous allons, avec tous mes frères de la Côte d'Ivoire, mes élèves, nous allons nous attendre, Inch'Allah, arrêter un programme, nous allons organiser peut-être vers la fin de l'année des grandes conférences. Pourquoi pas une tournée même dans toutes les provinces de la Côte d'Ivoire, où nous ferons participer des imams
des imams qui vont intervenir. Ça veut dire partout où nous allons arriver, on va choisir un de nos imams, celui qui va faire l'exposé, et nous serons là pour écouter. Lorsqu'il viendra le moment des questions et réponses, les questions qui exigent une compétence islamique plus que la nôtre, l'imam s'en chargera pour répondre, et les autres qui exigent une connaissance en études de religion comparée, nous allons intervenir dans les limites de notre connaissance, inchallah. Ouais. Donc, je voudrais rappeler aux musulmans et aux non-musulmans, vous devez tous savoir que l'islam enseigne la liberté des croyances. Le principe fondamental de la liberté des croyances est enseigné par l'islam. Et l'islam, Dieu nous demande dans le Coran de croire que toutes les religions qui existent sur cette terre existent par la volonté permissive de Dieu. Toutes les religions. Il y a plusieurs religions. Mais il vous a été dit ici par mes prédécesseurs, Dieu n'a qu'une seule religion. C'est vrai. Si on doit parler en termes de variété, il n'y a que deux religions au monde. Deux religions. Celle de Dieu et aussi celle de Satan. Imma Shakiran ou Imma Kafura. Il n'y a pas une troisième. Mais cependant, il y a plusieurs religions sur terre. Pourquoi? La raison est simple. Dieu a créé l'homme, l'a doté du pouvoir de choisir. Il l'a doté du libre arbitre. C'est-à-dire, l'être humain, de par sa nature, a été créé. Il a le pouvoir de choisir entre croire ou ne pas croire. Entre faire le bien ou ne pas faire le bien. Donc, choisir de faire le mal. Dieu l'a créé ainsi. C'est pourquoi l'être humain, il peut choisir la religion qu'il veut. D'autres choisissent une religion qui consiste à adorer des arbres, ou encore un être humain, ou encore une vache. Dans certains pays du monde, moi j'ai été là-bas, je ne voudrais pas citer les noms de ces pays, les gens adorent une vache. J'ai cherché à manger la viande de bœuf, je ne l'ai pas trouvé. Je demande, mais pourquoi? On dit non, parce qu'ici chez nous, la vache est considérée comme un dieu. Donc on ne vend pas la viande de bœuf ici. Vous connaissez ce pays-là. Donc, l'homme utilise ses pouvoirs, il abuse de ses pouvoirs pour choisir ce qu'il veut. Et Dieu l'a créé ainsi. Et Dieu lui-même s'est interdit de contraindre qui que ce soit à croire en lui par la force. Dieu dit dans le Saint-Coran, « Bado vodzen meshetan rajim, wa la usha'a rabbuka, la amana man fil ardi kulluhum jamia. » Si ton Seigneur l'avait voulu, il aurait fait que tous les habitants de la terre deviennent des croyants. Mais Dieu n'agit pas ainsi. C'est pourquoi les hommes choisissent ce qu'ils veulent. Mais bien que Dieu l'a doté de ses pouvoirs, il nous a cependant mis en garde contre un abus de ses pouvoirs. C'est-à-dire qu'il nous dote de ses pouvoirs, mais il nous conseille de choisir la bonne religion. Parce que les sages disent, mieux vaut ne pas du tout avoir de religion que d'avoir une religion qui est fausse. C'est pour dire que toutes les religions ne proviennent pas de Dieu. Il y a la religion de Dieu, il y a aussi des religions inventées par l'homme. Alors, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous montre clairement que tous les prophètes de Dieu ont prêché l'islam, qui veut dire soumission à la volonté de Dieu. Certains, l'un de mes frères l'a dit ici, des fois quand on parle de l'islam, les gens sont allergiques à ces mots. Si vous dites Jésus était musulman, ah, comment Jésus était musulman alors qu'il a vécu 6 siècles avant Mohammed? Non. Si on lui explique, il va comprendre. Parce que l'islam veut dire soumission à la volonté de Dieu. Jésus était-il musulman ou pas? Oui, il était musulman. Pourquoi? Parce qu'il se soumettait à la volonté de Dieu. Lui-même disait, ne pensez pas que je sois venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc il est musulman, ça ne veut pas dire qu'il est disciple de Mohammed. Parce qu'il n'y a que deux religions au monde. Dieu est un. La vérité salvatrice est une, le but de la création de l'être humain est un,
Le but de l'envoi des prophètes est un. Le message fondamental et salvateur qui a été prêché par tous les prophètes est un. L'un de mes frères l'avait dit. Alors, cette religion qui a été prêchée par tous les prophètes de Dieu, à leur époque respective, c'est la même religion qui a été révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, avec une seule différence. C'est-à-dire, à l'époque des prophètes venus avant Mohammed, cette religion n'a été prêchée qu'à leur peuple respectif. Parce que quand on dit Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël, Moïse aux enfants d'Israël, Dieu a suscité des prophètes partout et ces prophètes ont prêché cette religion-là. Mais la même religion a été révélée avec Mohammed, mais avec une différence, laquelle? C'est que c'est à Mohammed que la forme parfaite, définitive et universelle de cette religion qui a été prêchée par tous les prophètes a été révélée. C'est pourquoi le prophète Mohammed est le seul prophète qui a dit, non seulement lui, mais Dieu lui-même dit, parlant du Coran, il dit Tabarak alladhi nazzala al-furqan ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Béni soit celui qui a révélé le Furqan, le Coran, à son serviteur, pour qu'il soit un avertisseur pour l'humanité, toute l'humanité. Et Mohammed a été envoyé, Dieu parla de Mohammed, il dit Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa nadhira, walakina akthara an-nas la ya'lamun. Le caractère universel de la mission de Mohammed a été confirmé dans le Coran. C'est-à-dire, tu ne verras nulle part, dans aucun livre révélé, où Dieu dit j'ai donné tel livre pour toute l'humanité. Ça n'existe pas. Sinon, le Coran, c'est pas. Tu ne verras dans aucun livre où Dieu dit j'ai envoyé tel prophète pour toute l'humanité. Ça n'existe pas. C'est sur Mohammed qu'on a dit ça. Et Mohammed est le seul prophète de Dieu qui a dit Bouristu ilanasi kafa al-ahmar wal-aswad. J'ai été envoyé à la totalité des êtres humains, aux noirs, aux blancs, aux rouges, aux jaunes, aux bleus, s'ils existent. C'est seul Mohammed qui a dit ça. Et c'est pourquoi il est aussi le seul qui a dit l'arabe n'est pas supérieur à un autre être humain, un autre être humain n'est pas supérieur à un arabe, un blanc n'est pas supérieur à un noir, et un noir n'est pas supérieur à un blanc, que par la piété. Le meilleur d'entre vous aux yeux de Dieu, c'est celui qui craint Dieu le plus. Et non, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a la couleur blanche de peau, ou bien la couleur noire. Ou bien... Non, c'est la crainte de Dieu. Et il a confirmé le caractère universel de sa prophétie, de son vivant. Il a invité des non-musulmans à croire en lui. Tu ne verras aucun prophète de son vivant, il invite les non, ceux qui ne faisaient pas partie de son peuple. Il les invite à croire en lui, ça n'existe pas. Ils ont d'ailleurs eu la chance de croiser des gens qui n'appartenaient pas à sa nation, ou à son peuple, ou à sa tribu. Mais jamais ils ne les avaient invités à croire en lui. Mais Mohammed n'a pas eu cette chance, il était à Médine, il a envoyé des correspondances à l'empereur romain, à l'empereur perse, au roi d'Égypte et les autres, pour les inviter à croire en lui en tant que le dernier messager de Dieu envoyé à toute l'humanité. Et il a confirmé le caractère universel de sa mission en ayant dans son entourage, de son vivant, des disciples appartenant à d'autres nations que la sienne. De son vivant. Et de son vivant, ses disciples, il a envoyé ses disciples aller prêcher aux autres peuples, les invitant à croire en lui. Et nous, les musulmans, étant donné que le message du Coran est universel, la prophétie de Mohammed est universelle, nous avons le devoir sacré, nous les musulmans, de prêcher l'islam, d'inviter les autres à croire en qui? À croire en Allah et à croire en la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qui explique la présence de ces groupes, tous ces groupes que vous connaissez, les groupes de l'interreligieux. Parce que c'est un devoir sacré. Parce que souvent j'attends même certaines personnes, il y a certaines personnes qui disent, des frères, qui ont été dans des universités islamiques, mais qui disent non, ça c'est pas, pourquoi vous faites la dard des non-musulmans et pourquoi vous utilisez la Bible, non, c'est pas normal. Non, c'est ce que le prophète a fait. Et faire la dard des non-musulmans, c'est wajib, c'est obligatoire. Ça, surtout à notre époque, je pense que vous regardez l'internet. Regardez toutes les choubahats aujourd'hui sur les nets. Beaucoup de
choses. Mais il y a des musulmans qui vivent comme s'ils sont des morts. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas au courant des choses que les ennemis de l'islam sont en train de faire ou de réaliser sur le net contre l'islam, contre Allah, contre les prophètes. Ils ne sont pas au courant. Moi, personnellement, ça ne m'étonne pas parce que je connais et ça ne m'inquiète pas parce que je sais que l'un des secrets de l'expansion de l'islam, Allah l'a placé dans les attaques contre l'islam. C'est-à-dire, quand vous attaquez l'islam, vous permettrez à l'islam d'avancer. Mais quand vous n'attaquez pas l'islam, l'islam va marquer les pas parce que les musulmans sont devenus des fainéants. Aujourd'hui, les gars, l'islam est pris en otage dans la plupart des cas, des cas. Nous prenons l'islam qui est un message universel en otage entre les quatre murs de nos mosquées. Le frère Kofi l'a dit. De sorte que il y a même des gens, j'ai voyagé partout, j'ai vu ça dans certains pays d'Afrique. Et ici en Côte d'Ivoire, cette maladie aussi existe. Où certaines personnes croient que l'islam c'est la religion des djoulas. Vous comprenez un peu ça? Pourquoi? Parce qu'il est arrivé certainement un imam djoula non averti, parce qu'il y a des imams très avertis en Côte d'Ivoire. J'en ai parlé le jour du vendredi avec l'imam Harouna, connaît, Hafizahullah, que je suis fier de la Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, vous avez une particularité. Il y a beaucoup d'imams ici qui sont des intellectuels dans l'islam et dans les études profanes. Et c'est ce dont nous avons besoin à notre époque. Parce que l'islam, c'est comme un oiseau qui doit voler avec ses deux ailes. L'aile des sciences islamiques et l'aile des sciences profanes. Aujourd'hui même, j'ai regardé une vidéo de Cheikh Al-Aïm Kadim, Boukhari Fofana, qui dit l'accepte dans sa miséricorde, où il est en train de dire, parce qu'il était très... Il avait une grande vision. Moi, je l'ai rencontré maintes fois, on a parlé maintes fois avec lui. C'était un grand visionnaire. Où il disait ouvertement que non, il y a des musulmans qui vont étudier dans les écoles islamiques. Ils apprennent seulement le Coran et la Sunna, mais ils n'étudient pas les sciences humaines. Pourtant, ce sont ces sciences humaines-là qui font ressortir mieux la profondeur des enseignements du Coran et de la Sunna dans ces domaines-là. Comment vous allez parler de l'embryologie, par exemple, si vous ne l'avez pas fait à l'école? Même si vous êtes hafiz al-Quran, vous pouvez répéter les versets, mais pour expliquer les versets avec des termes techniques, comme cela est expliqué dans ces cours, il faut avoir appris cette science-là. Alors, je disais, moi ça ne m'inquiète pas parce que je sais que l'un des secrets de l'expansion de l'islam, Dieu l'a placé dans les attaques contre l'islam. Parce qu'il dit dans le Coran, « Bâdâ vous l'aimé, je te vois, يريدون لطفاء نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Ils veulent éteindre la lumière de Dieu de par leur bouche, les souffles qui sortent, des mensonges qui sortent de leur bouche. Ce que je vois sur les nets, Allah est Hubal. Allah est Hubal, ils adorent. Quand je regarde comme ça, je dis à mes élèves, je dis, il faut que nous adoptions maintenant une autre stratégie. Récupérer toutes les vidéos là, laissez-les d'abord dans un premier temps se défouler. Laissez-les se défouler. Ils se défoulent d'abord. Après, nous allons récupérer toutes ces vidéos et faire le RADS pour couper cette hémorragie. Et fait, notre RADS va se transformer en quoi? En un outil de conversion de la masse. C'est ça le génie de l'islam. Donc, ce que nous sommes en train de faire ici, à notre époque, est obligatoire. Hafiz, donnez-lui l'autre micro. Où est l'autre micro? Ouais, ça va. Attends. Oui, écoutez, je vais vous lire quelques paroles des oulémas par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Thomas. La légitimité du dialogue interreligieux, c'est-à-dire dialogue avec les non-musulmans. Ouais. La légitimité du dialogue interreligieux, dialogue avec les musulmans, est établie dans les cinq Corans.
Continue. مع التزام شرطه وهو الحكمة والرفق واللين. Pourvu que ces conditions préalables soient respectées. Et ces conditions sont quoi? Donc il faut parler avec sagesse, avec tendresse, avec douceur, et que l'objectif soit la recherche de la vérité. Continue. قال تعالى. Dieu dit. Un des versets qui confirme la légitimité du dialogue interreligieux. Il y en a beaucoup dans le Coran. Appelle sur la voie de ton Seigneur par quoi? Par la sagesse avec une bonne exhortation. Oui. Et discute avec eux ou débat avec eux de la meilleure manière, la meilleure façon. يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية. ابن كثير dans son tafsir, lorsqu'il a expliqué ces versets, il a dit quoi? وجادلهم بالتي هي أحسن. Donc débattre avec eux de la meilleure manière, ça veut dire. أي من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال. Celui d'entre eux qui accepterait de faire le débat avec nous ou de discuter avec nous sur les choses religieuses, les affaires religieuses. فليكن بالوجه الحسن بالرفق واللين ولين الجانب وحسن الخطاب. Il faut que cela se passe de la meilleure manière, de la meilleure manière, avec douceur, avec tendresse, parce que vous vous rappellerez même dit à Nabi Moussa d'aller dire, d'aller chez Pharaon et dire qul lahu qawlan layyina. C'est pas comme ça se passe aujourd'hui sur le net, où je vois des gens qui invitent les musulmans, ils ne veulent plus que les musulmans parlent. Des fois, on insulte les prophètes, on insulte les musulmans. Quand on voit ce genre de choses, il faut quitter. Parce que ces gens-là, leur objectif n'est pas la recherche de la vérité. Nous, nous voulons débattre pour la recherche de la vérité. Oui. Et les dialogues interreligieux, c'est-à-dire, il est recommandé, il est vraiment recommandé dans l'islam. ولكن إذا ظهرت مصلحته فإنه يكون واجبا. ولكن إذا ظهرت مصلحته فإنه يكون واجبا. دليل سببني. Mais si l'intérêt, le besoin se fait sentir, l'intérêt est vital de faire les dialogues interreligieux, ce n'est plus recommandé, ça devient obligatoire. Continue. قال ابن القيم في زاد المعاد جواز مجادلة أهل الكتاب ومناظرتهم. قال الشيخ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. Il dit quoi? Répète la phrase. جواز مجادلة أهل الكتاب ومناظرتهم. L'autorisation de débattre, de discuter avec les gens du livre أهل الكتاب ومجادلتهم. بل الاستحباب ذلك. C'est-à-dire la recommandation, c'est recommandé. Continue. Bal wujubuhu iza zaharat maslahatuhu. Au contraire, même son obligation, lorsque l'intérêt est vital de débattre avec qui est sur la religion pour qu'on trouve la vérité. Donc ça devient vital. Il faut faire quoi? Min islam man yurja islamuhu. Lorsqu'on sait que ça devient obligatoire parce qu'on espère qu'en débattant avec quelqu'un, il peut se faire quoi? Se convertir à l'islam. Wa iqamati al-hujjah alayhim. Wa iqamati al-hujjah alayhim, c'est-à-dire lorsqu'on établit les preuves contre eux, montrant qu'ils sont dans l'égarement, nous sommes dans la vérité, ça devient obligatoire. ولا يهرب من مجادلتهم إلا عاجز. سبحان الله. Repeat cette phrase. ولا يهرب من مجادلتهم إلا عاجز. Écoutez ce que Cheikh Ibn Al-Qayyim dit. ولا يهرب من مجادلتهم يعني مجادلة أهل الكتاب اليهود والنصارى إلا عاجز عن إقامة الحجة. عن إقامة الحجة. Est-ce que vous avez compris ça? Personne ne peut fuir le débat avec les non-musulmans, c'est-à-dire les chrétiens ou les juifs, si ce n'est celui qui est incapable d'argumenter dans les débats. Ça c'est Cheikh Ibn Al-Qayyim, il dit ça dans Zad al-Ma'ad. La yahrub min mujadalatihim ila ajizun an iqamati al-hujja. Personne ne peut fuir le débat. C'est-à-dire, il y a des frères qui viennent nous dire, oh, mais vous faites quoi, le débat? Oh, ça montre que vous êtes des fouillards. Vous n'avez pas de problème. Vous faites honte à l'islam. Et ça, c'est le Cheikh Ibn Taymiyyah a dit.
Vous faites honte à l'islam. Continue. ويقول ابن حجر يعني الشيخ ابن حجر الأسقلاني صاحب يعني فتح الباري قتيل في فتح الباري عند حديثه عن وفد نجران الشيخ ابن حجر الأسقلاني في فتح الباري lorsqu'il faisait les sharh du hadith sur le wafd ou Najran c'est-à-dire la délégation des chrétiens de Najran du Yémen parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé une correspondance aux chrétiens du Yémen les invitant de se convertir à l'islam. Les chrétiens du Yémen ont refusé, mais ils se sont constitués en délégation. Ils sont partis jusqu'à Médine aller débattre avec les prophètes. Ils ont fait 3 jours de débat avec les prophètes. De sorte que même lorsque l'heure de la prière, leur prière arrivait, les prophètes leur laissaient même la mosquée pour qu'ils prient à l'intérieur. Ils ont fait 3 jours de débat avec les prophètes. 60 versets, les 60 premiers versets de la sourate Imran ont été révélés à l'intention de ces chrétiens-là. Mais ça, la plupart, il y a des gens qui disent des choses, mais qui ne comprennent absolument rien. Ils disent des choses, ils ne comprennent. Quand tu parles, c'est pas bon. Alors, donc, wa yaqulu ibn Hajar fi hadithihi anshari wafdi Najran continue. وفيها جواز مجادلة أهل الكتاب. وفيها جواز مجادلة أهل الكتاب. Continue. وقد تجب إذا تعين مصلحته. وقد تجب إذا تعين مصلحته. Il dit cet événement des chrétiens de Najran qui était parti débattre avec les prophètes à Médine. Il dit ça montre que il y a autorisation donnée de débattre avec les non-musulmans, notamment les Ahlul Kitab, lorsque le besoin se fait sentir. Il faut débattre avec eux. Parce que le prophète a débattu avec eux. Il a détruit tout leur argumentaire. De sorte qu'une partie a cru, une autre partie a refusé de croire. Le prophète les a invités au Mubahala. Qu'on implore la malédiction de Dieu sur le menteur. Et le groupe de chrétiens s'est retiré. Il a dit, leur chef a dit, vous savez très bien que ceux qui ont relevé les défis des prophètes ont été détruits. Et vous savez très bien que Mohammed est prophète. Donc si on accepte ce duel de malédiction, ça sera terrible pour nous. Et selon certaines sources, comme ils ont refusé, ils partaient. L'ange Djibril est venu dire au prophète, il dit, s'ils avaient accepté les deux montagnes qui sont devant là, ils n'auraient jamais traversé ça. Mais Ibn Hajar al-Asqalani dit, qu'on répète la parole, جواز مجادلة أهل الكتاب وقد تجب إذا تعين مصلحة bien sûr ça devient obligatoire de débattre avec eux sur les affaires religieuses lorsque les besoins se font sentir continue maintenant ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله il dit quoi في درء تعارض العقل والنقل c'est-à-dire la prévention de la confusion entre la raison et le texte فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم مناظرة تقطع دابرهم tout celui qui ne va pas débattre avec les gens de la théisie et les gens des innovations et lorsqu'on parle des innovations pour les chefs Ibn Taymiyyah dans sa terminologie les chrétiens, les juifs rentrent dedans et vous allez trouver encore d'autres détails dans son livre qu'il a écrit Al-Jawabu Sahih Liman Baddala Din Al-Masih en 3 volumes selon certaines éditions à 4, 5 et même 7 selon d'autres éditions où il donne des détails mais lui celui qui ne va pas débattre qui refuse de débattre avec ces gens là il faut faire très attention il fait même des Ahlul Bid'ah ils rentrent tous dans le même panier c'est pourquoi moi je suis contre avant de continuer mon frère Hafiz je suis contre cette idée qui consiste vous avez entendu un cheikh là-bas ou bien quelqu'un, il a fait une déclaration où il a posé un acte alors, vous faites des vidéos vous postez ça sur le net regardez, telle personne, c'est un garé il a fait ça, il a fait, non allez les voir établissez l'argument iqamatul hujja allez voir la personne ou bien, mais il peut y avoir même un comité disciplinaire. Vous voyez que quelqu'un a dit quelque chose. Je suis ça sur le net beaucoup. Hein. Des gens qui font des déclarations qui ne sont pas correctes.
On peut trouver même dans les COSIM ici, ou bien dans les CODIS, un comité là qui s'assoit et qui invite cette personne. Nous t'avons entendu dire ça, 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 ça. Où sont tes preuves? Voilà. Wallahi Bilal, si nous procédons ainsi, les gens vont arrêter les bêtises. Au lieu de continuer, lui il dit, l'autre là il dit, oh non, c'est un égaré. Non. Cultivons cette habitude parmi nous les musulmans. Communiquer. Il faut communiquer. Les gens aiment seulement parler, 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 parler. Et quand tu refuses d'aller voir quelqu'un pour qu'il te donne des éclaircissements sur ce qu'il a dit, c'est-à-dire que toi tu es animé d'autres choses. Et parce que tu peux aussi, quelqu'un peut avoir dit quelque chose, mais dans l'erreur. Et quand tu vas le voir en tant qu'un frère, tu lui parles, tu lui parles avec douceur, tendresse, tu lui dis, donne-nous des preuves. Ah non, moi je l'ai dit, non, non. Vous aussi vous donnez, non, vous savez ce que vous avez dit là. Ça contredit ce que Dieu a dit ici et ce que son prophète a dit. Dieu a dit ça, ça, ça. Le prophète a dit ça, ça. La personne, si elle est sincère, peut dire, ah, oui, je vois, c'était une erreur de ma part. Alors on lui demande, est-ce que vous pouvez corriger ce que vous avez dit? Et il dit, bon, je peux bien sûr corriger, mais je vous donne l'autorisation de corriger. Faites apporter la correction et dites carrément aux gens que c'est moi-même qui vous ai donné l'autorisation de faire quoi? D'apporter cette correction-là. Ça va bien évoluer. Oui, non, il a dit ça. C'est quoi ça? Continue. Répète la parole de Cheikh Ibn Taymiyyah. فكل من لم يجادل أهل الإلحاد والبدع فكل من لم يجادل أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم مناظرة تقطع دابرهم مناظرة كي يرت يبلغ كل الشمال كي يرت الإمراجي continue. لم يكن أعطى للإسلام حقه لم يكن أعطى للإسلام حقه. Écoute, Cheikh Ibn Taymiyyah, celui qui ne veut pas débattre avec ces gens, que ce soit les Ahlul Kitab et les autres, que ce soit les Ashabul Bidaï, celui qui refuse de débattre, faire les débats avec, de parler avec eux, faire les débats, donner des preuves pour arrêter leur égarement, il doit savoir qu'il n'a pas donné à l'islam les droits qui lui reviennent. Ça, c'est Cheikh Ibn Taymiyyah. Continue. Wala wafa bi mujib al-ilm wal iman. Et moins encore, c'est comme s'il voulait dire, il n'a pas donné à la connaissance ce qui lui revient obligatoirement, quoi, et à la fois les droits qui lui reviennent. Continue. Voilà, hasala bi kalamihi shifa al-sudur. Continue. Je vais expliquer, mais il y a une partie qui m'intéresse. Continue. Bref, le Cheikh Ibn Taymiyyah nous montre clairement. Celui qui ne veut pas débattre. Parce que vous savez, le Cheikh Ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'il faisait? Rahimahullah. Un jour, il se levait comme ça. Tous les gens qui étaient, qui avaient leur position divergente, venaient vers lui. Il pouvait se retrouver le matin avec 600 personnes assises qui sont venues débattre avec lui. 600 personnes assises qui sont venues débattre. Et dans tous les domaines, philosophie, judaïsme, christianisme, athéisme, c'est pas. Devant lui, il va débattre jusqu'au soir. C'est l'heure de la prière seulement qui va les arrêter, qui va l'arrêter. Alors Ibn al-Qayyim dit, la yahrubu min mujadalatihim illa ajizun an iqamati al-hujja. Personne, il n'y a qu'un incapable qui peut fuir les débats avec les juifs et les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il est incapable d'argumenter. Mais quand tu es capable d'argumenter, tu ne dois pas fuir les débats. Parce qu'à l'islam mal, l'islam, l'islam domine, on ne le domine pas. Ya'lu wa la yu'la alayhi. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan jazak. Est-ce que vous comprenez bien ça? Donc c'est ce qui explique ce que tout ce groupe de lecteurs religieux qui sont en train de faire. Wallahi, si ces enfants, vos enfants, ne s'étaient pas levés pour faire cette dame, vous seriez tous dans le péché. Vous serez tous dans le péché.
Parce que certains, selon certains ulémas, faire la dawa comme ça, c'est fardoun kifaya. Mais selon d'autres ulémas, c'est fardoun aïn. C'est obligatoire pour tout le monde. Et ils viennent avec leur dalil en disant, le prophète a dit, balighu anni walau aya. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour finir, je pense que vous l'avez suivi. Moi, je voudrais vous demander une seule chose. Pas seulement aux Ivoiriens, mais toute l'Afrique, et notamment l'Afrique de l'Ouest. Soutenez ces jeunes frères dans ce qu'ils sont en train de faire. Soutenez ces jeunes frères. Parce qu'avec votre soutien, même si vous n'êtes pas sur les terrains de la gare, vous leur achetez des matériels, vous leur achetez des véhicules pour se déplacer, vous leur donnez de l'argent pour acheter je ne sais pas moi quoi, toutes les choses qui sont nécessaires pour faire la dawa, même si vous n'êtes pas sur le terrain, vous seriez en train de faire la dawa avec eux. Et au dernier jour, Dieu vous comptera parmi ceux-là qui ont œuvré pour secourir sa cause. Et vous savez que quand vous secourez la cause de Dieu, Dieu aussi va faire quoi? Va vous secourir. Le monde que nous sommes sur lequel, la terre sur laquelle nous vivons, est rien. Nous sommes en 2024. En 2124, tous ceux qui sont ici, y compris moi, nous serons morts. Morts. En 2124, tous ici là, y compris nos enfants, nous nous retrouverons tous à 1 ou 2 mètres sous la terre, morts. Qu'est-ce qui nous aidera après cela? Quel est le meilleur djihad? Quel est le meilleur djihad? لتكون كلمة الله هي العليا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Voilà, il y a des questions donc qui seront posées tout à l'heure. Voilà, nous allons entrer dans la série des questions. Voilà, tenez ça. Je rappelle la préfecture que nous sommes bel et bien à 13 villes. Nous sommes bel et bien à 13 villes là pour la conférence de tous les élèves d'Abdul Majid. Tout à l'heure, le maître vient d'intervenir. Il va donc souffler un peu, le temps que les questions et réponses viennent. Nous allons revenir sur certaines informations, mais vous me permettrez de récupérer donc les documents sur lesquels certaines informations sont pour justement revenir de façon habituelle sur cette procédure. Bien sûr, il va les saluer tout à l'heure, le maître va répondre à quelques questions et puis après... Rapidement, on va... C'est la série des questions, merci. Le frère Traoré Lamine, le frère Traoré Lamine, s'il est là, qui lève la main. Le frère Traoré Lamine, s'il peut lever la main. Le frère Traoré Lamine. Il n'est pas là. On passe à Doumbia Alpha. Cadet. Alors, on nous apprend que le maître va maintenant saluer donc nos officiels qui sont venus donner donc un cachet spécial à cette cérémonie. Messieurs, dames, patientez sans soit peu. Tout à l'heure, le maître va prendre quelques questions, mais avant, il va saluer donc les imams qui sont pour lui, donc les enseignants qui lui ont permis donc d'avoir cette connaissance qu'il a distillé tout à l'heure. Mesdames et messieurs, je rappelle que nous sommes bel et bien à Trècheville, à l'avenue 16, rue 44, pour donc la grande conférence des élèves d'Abdul Majid, au grand complet. Voilà, entendez par là, donc, la bande 1781, Nourdine Djama et la DDR, qui sont bel et bien là pour donner un cachet spécial à cet événement.
Alors le maître est en train de saluer donc les chouloukas qui ont fait diligence pour justement donner un cachet spécial à cette cérémonie. Et nous profitons, mesdames et messieurs, pour dire merci à tous ceux de celles-là qui se sont déplacés. À l'effet, bien sûr, à démontrer combien quand même cette cérémonie quand est importante. Le maître reviendra tout à l'heure pour répondre à une série de questions. Et après, il va faire à son pied d'affaire pour permettre aux uns et aux autres de partir chargés de bénédictions et de prières, car c'est un endroit où, bien sûr, les bénédictions sont acceptées. Monsieur Bakis, on va appeler aussi la page Facebook et le numéro des différents groupes pour tous ceux qui viennent inviter là-bas. Bien sûr, bien sûr. Alors, le numéro de la balle, c'est ce que je connais par tête, c'est le 05-800-800 pour vos conférences et débats. Je profite pour saluer Nassono, n'est-ce pas, assuré par le grand frère de Mikey, qui est Baby Gay, qui n'est plus à présenter. Voilà, toutes les conférences, les grandes conférences, elles sont bien sûr demandées. Voilà, la sonorisation est demandée, bien sûr, par l'ensemble de tous ceux, Inch'Allah, qui font la fierté de l'islam en Côte d'Ivoire. Voilà, le grand frère Béli, il fait beaucoup pour nous faire des bénédictions et des prières, Inch'Allah. Alors, j'espère que les questions sont prêtes. Le maître va remonter et puis va donc se donner à cet exercice pour répondre à vos questions, on espère, pertinentes. Nous saluons encore Idriss Bomba. Merci d'être là. Merci, Yacha. Maïdi, c'est bon, on peut lancer. Tu vois. Ah oui. C'est bon? Allons-y. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, ma question, ici qui était avec ça à la maison, mais le maître a déjà touché le point. Il s'agit de l'innovation. Je vais savoir un peu la définition sur le plan religieux. C'est quoi l'innovation? Parce qu'on n'a pas les imams nous dit que le prophète alayhi salatu wa salam nous demande de s'écarter de l'innovation. Donc, comment s'en écarter si nous ne savons pas de quoi il s'agit? Donc, si le maître peut nous donner quelques preuves et réponses, Inch'Allah. Mais je ne peux pas remettre le micro sans dire que vraiment, je vous demande à la vous et tous ces groupes interreligieux. Je vous remercie. C'est un moment. Oui, mais salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, tout le monde peut répondre à ces questions, mais c'est une question technique. C'est vraiment une question technique. Dans le Coran et la Sunna authentique, il fait partie de l'innovation. Et parce que le prophète a dit celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences. Vous voyez, aujourd'hui nous vivons les divergences, beaucoup de divergences parmi les musulmans. Mais pourtant, le prophète nous a indiqué les remèdes. Il nous a indiqué les remèdes en disant Alaykum bi sunnati wa sunnati li khulafa rashidin al-mahdiin min ba'di. Donc, pour vous éloigner, vous sauver de ces divergences-là, retournez à ma sunna, la sunna du prophète. Donc, aujourd'hui, vous pouvez avoir un maître, mais qui vous initie dans une pratique. Mais si cette pratique ne trouve pas son fondement dans la sunna du prophète, c'est-à-dire que cette pratique n'est pas acceptée, Fahouarad, comme le prophète l'a dit. Au dernier jour, il sera renvoyé en plein visage comme un boomerang. Donc aujourd'hui, l'islam, là, il ne suffirait pas de se dire « je suis musulman ». Non, encore faudra-t-il connaître l'islam.
Et après avoir appris l'islam, il faut faire des efforts pour devenir une incarnation pratique des valeurs spirituelles et morales positives de l'islam. Pour que lorsqu'on vous verra marcher dans la rue, on verra à vous quoi ? Les anciens, l'islam, on verra à vous l'islam. Parce qu'il y a deux types de da'wahs. Il y a la da'wah que nous faisons ici, verbale, avec l'iqamatul hujja, mais il y a aussi la da'wah par le comportement. Vous pouvez avoir la vérité, vous pouvez dire la vérité, mais si le comportement que vous affichez est mauvais et constitue donc un obstacle entre l'islam et ceux qui voudraient adhérer à l'islam, vous seriez en train de rendre un mauvais service à l'islam. Donc, un bon musulman, ça il faut le rappeler, aujourd'hui pour être musulman, il faut donc connaître l'islam, chercher à devenir une incarnation ou traduction pratique des valeurs spirituelles et morales positives de l'islam, faire la dawa de l'islam par la parole comme par le comportement, et être aussi capable de défendre sa religion dans les limites de sa connaissance. C'est pourquoi les oulémas se sont inspirés des trois questions qui nous seront posées dans la tombe, et ils ont écrit « Al-Usul al-Thalatha ». Trois questions qui seront posées à chacun de nous dans sa tombe. La première question « Man Rabbouk ». La deuxième question « Ma Dinouk ». La troisième question « Man Nabiouk ». Ça, c'est des choses très très importantes. C'est-à-dire, avant d'arriver là-bas, vous devez déjà connaître ces choses ici. Connaître bien ton Seigneur, connaître bien ta religion et connaître bien ton prophète. Donc, c'est un peu ça. Je ne voudrais pas m'étendre beaucoup là-dessus. Je crois que le frère est satisfait. Jazakallah khair. Le frère Bomou. Bomou. Je pense que ce sera la dernière question, hein. C'est ça? Comment? 13 minutes. Ah, ok, ça va. Si, si, il n'y a plus de questions, donc le message est passé. Donc, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, ma question, c'était que le chef nous éclaircit sur la venue de Christ. Issa, le fils de Marie, parce qu'il y a beaucoup de divergences dessus. Voilà, on nous dit qu'à la fin du temps, on nous dit qu'à la fin du temps, que Issa fait partie de la fin du temps. D'autres disent que ce n'est pas avéré. Donc on veut que le chef nous éclaircisse là-dessus, si Issa viendra à la fin du temps ou pas. C'est ça ma question, je vous remercie. Bon, merci beaucoup pour la question. Moi, je voudrais vous donner mon point de vue à moi. N'est-ce pas? Mon point de vue à moi, donc, inspiré des textes, des sources islamiques authentiques. Bien sûr qu'il y a des divergences sur la question de Issa de Mariam, alayhi salatu wassalam. Hein? Mais nous, musulmans, nous savons tous que Issa, alayhi salatu wassalam, ne mourut pas sur la croix, c'est-à-dire les juifs ne l'ont pas tué. Ça, tous les musulmans le savent. Sauf qu'il y a une petite divergence. Il y a ceux qui disent, après avoir échappé à la mort sur la croix, Dieu l'a fait mourir d'une mort naturelle. Et d'autres disent, non, il n'est pas mort d'une mort naturelle, il a été élevé au ciel. Donc il y a une divergence, une petite divergence là. Vous voyez, ça il faut se le dire. C'est une divergence qui existe. Mais sauf que ceux qui disent que non, après avoir échappé à la mort sur la croix, hein, il est mort d'une mort naturelle, sont minoritaires vraiment. Mais il y a des tafsirs qui disent cela. Si vous lisez les tafsirs d'Ibn Ashur, hein, les Tunisiens, vous allez voir ça. Si vous lisez les tafsirs de Mohamed Ridwa, El Azhar, vous verrez ça. Si vous lisez les tafsirs de Mohamed El Marari, vous verrez ça, il y a beaucoup, il y a au moins 10 tafsirs du Coran qui parlent de cela. Mais la majorité de la Ouma croit qu'il n'est pas mort après avoir échappé à la mort sur la croix. C'est-à-dire les Juifs ne l'ont pas tué et Dieu aussi ne l'a pas fait mourir d'une mort naturelle. La majorité de la Ouma croit en cela. Et moi je suis du nombre de ceux qui croient que Issa alayhi salatu wassalam va revenir. Parce que le prophète nous a annoncé son retour dans les hadiths qui sont mutawatira. Okay. Il va revenir parce que le prophète l'a annoncé.
Que tu crois qu'il est mort d'une mort naturelle après la croix. Que tu crois qu'il n'est pas mort après la croix. Mais crois au moins qu'il va revenir parce que le prophète a annoncé ça à des termes clairs. Donc moi, personnellement, je crois en cela. Et des fois même, j'ai dit aux gens qui ne sont pas d'accord avec moi sur ce point, je leur dis, mais vous ne savez pas que Nabéris a été déjà venu une première fois. D'abord à son époque, lors de sa mission, ça c'est une première fois. Mais il est devenu une seconde fois, il est venu une seconde fois, et il va revenir encore. Et là, les gens me demandent, oh, mais vous dites que seconde fois, quand est-ce qu'il est revenu pour la seconde fois encore? Je dis non, il est revenu, mais il n'a rien fait parce que ce n'était pas le moment d'accomplir la mission qui lui a été confiée par Dieu dans les derniers temps. Et quand est-ce qu'il est devenu? Il est venu pour la seconde fois. Je dis, mais vous croyez tout ce que le prophète a fait, Isra ou Al-Miraj? Lorsqu'il a fait Isra, son voyage de la Mecque à Jérusalem. Mais on dit qu'il a dirigé la prière là-bas et tous les prophètes ont prié derrière lui. Et parmi tous les prophètes qui ont prié derrière lui, mais il a été là. Mais il était là. Tous les prophètes étaient là. Mais ils ne pouvaient rien faire parce que ce n'était pas le moment prophétique indiqué. Mais le prophète nous enseigne qu'il va venir, mais l'essentiel, l'important serait de savoir pourquoi reviendra-t-il. C'est ça. Parce que même chez moi à Kinshasa, les responsables d'une église ont envoyé des gens avec caméra et je dis pour me poser cette question. Parce qu'ils croient que l'air fidèle est Issa. Comme ici en Côte d'Ivoire, vous avez Issa Baoulé. Jésus Baoulé. N'est-ce pas? Donc le Jésus là, pas seulement en Côte d'Ivoire, même chez nous il y en a. Partout en Afrique il y en a. Ouais. Donc ils ont envoyé des caméramans à un de nos imams, grand imam. Pour lui poser cette question, l'imam, quand il les a écoutés, l'imam a dit non, allez voir Abdul Majid, c'est lui qui vous connaît mieux. Alors ils sont venus chez moi avec la caméra. Non, on veut vous. Qu'est-ce qu'il voulait au fait? Comme l'air Issa est né le 25 mai et il voulait fêter la fête de la naissance de l'air Issa, il voulait maintenant venir me demander à moi, est-ce que vous croyez que Issa va revenir? Maintenant, si je répondais en disant oui, Issa va revenir, ainsi de suite, je donne. Ils vont couper la vidéo, ils vont aller faire passer ça sur leur chaîne et ils vont dire, regardez, même les musulmans croient qu'il va revenir, mais Papa Dialungane est venu, ils ne l'ont jamais reconnu. C'est son nom. C'est ça, c'est son nom, Dialungane. C'est lui, Issa. Ouais. Alors moi, quand j'ai vu ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé un de mes petits. J'ai dit, bon, vous mettez votre caméra, vous me filmez, et mon petit reste derrière vous, il vous filme, vous et moi. Donc, si vous essayez de couper mes propos, moi je vais récupérer. Est-ce que vous comprenez? Ils m'ont dit, non, non, ah non, mais c'est pas important. Nous, on va filmer seulement lui, c'est pas important. Non, 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 moi je vous connais. Alors, maintenant, il me pose la question. Est-ce que vous croyez que Issa va revenir? Moi, je le dis non. La question la plus importante n'est pas celle-là. Mais la question la plus importante, c'est plutôt de savoir que reviendra-t-il faire? Ça, c'est la question la plus importante. Parce que nous, je leur dis, parce que nous avons beaucoup de Issa ici. Mais tous ceux qui se sont dit Issa là n'ont jamais réalisé ce que le vrai Issa va faire. Donc, la question n'est pas sur le retour, la question c'est sur ce qu'il reviendra faire. Qu'est-ce qu'il fera? Il reviendra faire quoi? Alors quand j'ai donné les détails, wallahi billahi, jusqu'à ce jour, ils n'ont jamais fait passer l'élément sur leur chaîne. Ouais. Wa makaru wa makara Allah. Allahu khayrul makirin. Merci beaucoup mon frère. Alors, le maître vient donc de donner des réponses face à certaines questions, mesdames et messieurs. Et nous, on nous demande de façon récurrente, nous avons bien de nos fils imams. Il s'agit donc de l'imam Diara, bien sûr, l'imam de la mosquée Takwa de Yopougon. Merci, imam, d'avoir répondu à cette invitation. Barakallahu fikoum jazilan wa jaza. Nous allons maintenant, avec votre permission, permettre à l'imam Idriss Bamba
faire la doua et après nous reviendrons vers le docteur pour l'attestation de foi. Inch'Allah wa Inch'Allah Rahman. Alors je rappelle les chers internautes que nous sommes encore là. Voilà, nous sommes à Trècheville, à l'avenue 16, rue 44, n'est-ce pas, pour la giga conférence des élèves d'Abdul Majid avec leur maître Abdul Majid lui-même. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة ومغفرة عند الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا غفار يا رب العالمين اللهم بارك لنا في مجتمعنا هذا اللهم بارك لنا في مجتمعنا هذا اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا آمين آمين شكرا لكم جزيلا يا إمام وجزاكم الله خيرا بارك الله فيكم Nous profitons mesdames et messieurs pour dire merci à tous nos imams d'être venus donner un cachet spécial à cet événement. Nous remercions tous les groupes religieux de l'interreligieux bien sûr qui sont venus soutenir et parler, prêcher à portée de leur maître. Il s'agit donc de la BAM 1781 de Nourdin Jama, ainsi que de la TDR. Vous comprenez, mesdames et messieurs, que nous sommes presque, bien sûr, au déclin de cette cérémonie. Je vais donc, à mon humble position, donner une fois de plus encore le crachoir au maître, ainsi que les élèves qui sont juste à côté de lui, pour pouvoir donc faire le pied à terre. Oui. Oui, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous disons alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu salihat. Nous disons louange à Dieu de par sa grâce. Nous avons débuté cette activité, nous l'avons bien terminée par sa grâce. Je remercie une fois de plus nos imams de nous avoir honorés de leur présence, ainsi que tous les frères et sœurs qui ont abandonné leurs préoccupations pour venir donner un sens à cette activité. Inch'Allah, dans les jours à venir, il y a un programme qui vous sera donné, d'une dawa, Inch'Allah, à grande échelle, et où nous allons essayer d'aborder des sujets plus que vitaux, n'est-ce pas, non seulement pour nous-mêmes sur le plan spirituel, mais aussi pour la nation ivoirienne sur le plan horizontal. Inch'Allah. Donc, merci à vous tous
une fois de plus, que Dieu nous affermisse dans sa voie, que Dieu nous accorde tous une longue vie dans sa soumission à sa volonté, que Dieu nous accorde une postérité qui fera la fierté de l'islam et des musulmans, et que Dieu donne la bonne compréhension et la facilité dans la compréhension à nos frères musulmans, et plutôt non-musulmans, pour qu'ils puissent comprendre que l'islam n'est pas du tout une religion différente de celle qui a été prêchée par tous les prophètes venus avant Mohammed. Non, l'islam est la seule et unique religion qui a été prêchée par tous les prophètes de Dieu, mais dont la forme parfaite, définitive et universelle a été révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Et le musulman n'est pas l'ennemi de quiconque. Le musulman, c'est celui qui est appelé à promouvoir la paix, à promouvoir la cohabitation pacifique, de vivre ensemble. Parce que par définition, lorsque la question a été posée au prophète, qui est le musulman, le prophète a dit « Al-Muslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadihi ». Le musulman, c'est celui qui sécurise les gens par sa langue et par sa main. Donc le musulman n'est pas celui-là qui cause du tort, injustement du tort aux autres. Non, pas du tout. Quand vous voyez un musulman causer du tort aux gens par sa langue et par sa main, dites-vous aussitôt celui-là, que celui-là n'est pas musulman au sens islamique ou coranique du terme. Donc le musulman aime vivre en paix avec toutes les communautés. C'est pourquoi notre religion nous enseigne « Ata'ayushu silmi » Donc le vivre en paix et promouvoir la cohabitation pacifique, la coexistence pacifique entre les communautés, malgré la diversité de notre religion, notre race, notre tribu, notre ethnie, ainsi de suite. Donc je vous remercie une fois de plus et que Dieu permette à ce que nous puissions nous retrouver encore plus d'une fois sur cette terre et que Dieu nous réunisse tous les musulmans dans les paradis et que Dieu facilite la voie de l'islam à nos frères musulmans pour qu'ils rejoignent tous dans cette entreprise qui consiste à adorer Dieu sans l'associer avec qui ou quoi que ce soit et à croire à tous ces messagers sans exception. Alors, sans autre forme de transition, nous allons faire l'attestation de foi. On va lever la baisse 3. Ensemble, on va magnifier Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci infiniment à tous et à toutes d'avoir répondu à cette invitation. Je rappelle à toute invité que nous étions donc à la conférence de tous les élèves d'Abdul Majid, à savoir donc la DDR à Nurdin Jamal à Bank 1781 autour de leur maître.